Bonsoir. Si vous pouvez dire votre prénom. Oui, je m'appelle Jean-Marc Heim et je suis le représentant de l'antenne romande de la Monnaie Pleine, de l'initiative Monnaie Pleine. Voilà, alors je vous remercie d'abord pour ce débat très intéressant durant lequel vous avez soulevé des questions essentielles qui nous ont tous certainement interpellés. Alors, en ma qualité de porteur de la Monnaie Pleine, j'avais juste envie de faire deux commentaires à ce sujet. Et bon, je crois que Étienne Chouard a très bien résumé l'essentiel du contenu que défend la Monnaie Pleine. Je ne vais pas y revenir. Par contre, j'avais une réponse à donner à Mireille Zaki pour. Elle a soulevé une inquiétude que je trouve très légitime, c'est-à-dire celle de dire, mais enfin. Un gouvernement qui peut fabriquer de l'argent librement comme ça, ça nous mène à une surinflation automatique parce que, évidemment, c'est que quand il y a trop d'argent, ça ne marche plus non plus. Alors, c'est évident. Et l'initiative Monnaie Pleine a prévu ce problème-là. Il l'a prévu, d'une part, parce que ça n'est pas le gouvernement ni les politiciens qui vont décider de la quantité de monnaie à produire, mais exclusivement la Banque nationale. L'idée, c'est qu'il y ait une séparation des pouvoirs et de faire de la Banque nationale non plus une SA privée comme c'est le cas actuellement. Mais ça, ce n'est pas dans l'initiative. Ça devra être fait législativement après. Mais enfin, ça ne pourrait pas être les citoyens ? Alors, ça pourrait, on n'a pas déterminé. On n'a pas déterminé comment, on a déterminé simplement que ça doit être un pouvoir séparé du pouvoir politique. D'accord, parce qu'il me semble que justement, il y a des gens dans les banques, etc., qui ont dit bah, on ne pense pas que la Banque nationale, elle est en mesure de décider de la quantité de monnaie qu'il faut produire. On ne pense pas qu'elle soit du tout apte ou compétente pour ça. Est-ce que c'est une... Je vais vous rendre la parole. Est-ce que c'est pas une bonne idée de dire que les citoyens, une chambre citoyenne tirée au sort, ou si vous avez peur qu'elle se trompe, vous en désignez trois chambres citoyennes tirées au sort aux trois points du pays, eux-mêmes peut-être. Pour les collectivités publiques. Mais ça, ouais, non, mais attends, ça c'est quelque chose. Imagine que ce soit des citoyens tirés au sort qui discutent et qui observent la situation. S'il y a du chômage, on décide de créer un peu de monnaie. Et puis dans 6 mois, on verra si ça a marché. Et si ça a marché, que ça n'a pas créé d'inflation, on en crée encore un peu. Et puis si on a trop de monnaie, on en détruit, on décide. Et si vous observez que les trois chambres tirées au sort vous donnent... Elles ne discutent pas entre elles. Elles discutent entre elles en intérieur, mais pas entre elles entre... Elles se parlent pas d'une chambre à l'autre. Elles ne se concertent pas entre elles. Elles réfléchissent chacune de leur côté. Et si les trois décident de la même chose, par exemple, il nous faut un peu de monnaie, on décide d'en créer... est-ce que ce ne serait pas une façon... Oui, alors, mais si vous voulez, là, vous anticipez un tout petit peu, parce que l'initiative Monnaie Pleine est une initiative qui ne peut pas décider de ces choses-là. Il y a des conditions en Suisse pour faire une initiative populaire, notamment l'unité de forme et de contenu. Donc, on doit avoir un seul sujet. Notre sujet, c'est de redonner la création monétaire au souverain via la banque nationale actuelle, parce que c'est l'institution qui existe actuellement. Après, si l'initiative est acceptée, quel organe, comment on va transformer cet organe qui créera la monnaie, reste accessible et discutable au niveau politique. Ça voudra dire de nouvelles initiatives, de nouvelles lois, etc. Donc ça, oui. C'est... Mais je voulais juste poser le principe, oui, d'un organe indépendant, oui, du pouvoir politique, justement pour qu'on ne fasse pas de la création monétaire à des fins politicienne. D'accord. Donc ça, prévu dans l'initiative déjà. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est que vous avez soulevé, Mireille Zaki, le fait que finalement, l'État a qu'à prélever l'impôt et il n'a pas besoin de s'endetter s'il n'a pas les moyens. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, cette création monétaire à partir de rien, elle est déjà en œuvre, sauf qu'elle est entre les mains des privés. C'est le crédit privé. Et puis que si elle appartenait à l'État, le bénéfice de cette création monétaire qui créerait un seigneuriage serait redistribué à la collectivité. Donc oui, en fait, ce qu'on prend par le seigneuriage, on le redonne exactement aux mêmes personnes à qui on le prend, c'est-à-dire, oui, à l'économie réelle et pas à la finance. D'accord. Donc voilà, ça c'est l'initiative Monnaie Pleine. Oui. Je voulais juste préciser ce sujet. Merci beaucoup. On va beaucoup encore étudier, examiner, analyser dans l'année qui vient avant la votation. Alors, moi,
j'avais initialement écrit un édito, mais il était bien incomplet, où je manifestais le manque de confiance dans les banques centrales, qui elles ont montré leur incapacité de réguler et leur manipulation de la monnaie, des valeurs des taux d'intérêt, parce que celle des États-Unis, elle est manifestement pas du tout une institution dans laquelle on est censé remettre notre confiance beaucoup plus que le système actuel. Mais on va encore beaucoup discuter de ce sujet, moi, je pense. Est-ce que ça t'inspire l'idée des chambres tirées au sort pour décider, on a du chômage, on crée un peu de monnaie, on a de l'inflation, on en détruit un peu? Moi, quand tu as dit ça, ça m'a fait venir à l'idée que c'est les collectivités publiques qui décident un peu de leur... Elles ont des représentants locaux, puis elles voient un peu les besoins des régions. Et elles pourraient peut-être un peu mieux définir les besoins monétaires, mais en réalité, qui c'est qui a une vision macroéconomique de tous les besoins monétaires de la Suisse? Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait clair. Mais chez vous, les collectivités locales ne sont pas les communes sont pas dirigées par des gens qui sont élus avec l'argent des banques? Non, alors les conseillers communaux, c'est des vraiment... Quand c'est au niveau très local, c'est pas... C'est vraiment des volontaires qui sont conseillers communaux. Des gens comme nous, dévoués, quand ils sont tout près du peuple, dans les petites communes, là, c'est... C'est ça, ouais, exactement. Est-ce que je pourrais rajouter encore une chose par rapport à ce que vous avez discuté au tout début de votre échange? D'accord, parce qu'on a encore des questions qu'on aimerait... Voilà, c'était juste par rapport aux journaux qui sont, aux médias. Donc je m'adresse à vous parce que je viens d'entendre que vous êtes... un peu plus indépendante, on a un problème énorme de censure. On n'est pas représenté dans les médias. Et ça, c'est le problème principal parce que les sondages... Vous parlez du comité de l'initiative Monnaie Pleine. De notre initiative. C'est vrai, ça. On n'est pas représenté du tout. Et quand on nous représente, on fait appel à des gens qui font de la désinformation. Donc, il n'y a pas de débat sur ce sujet. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Il y a plein d'experts bancaires par-ci par-là qui s'expriment sur l'initiative, mais on a peu de gens. Il n'y a aucun débat et on sait, des sondages l'ont confirmé, que la majorité des gens sont typique, pour... que le pouvoir de création monétaire soit redonné au souverain, et ils le savent, et ils savent que si on dit clairement aux gens de quoi il s'agit, l'initiative sera acceptée. Tout à fait. Et donc, ils font de la désinformation actuellement, car les gens actuellement ne comprennent pas encore. La radio nationale et la télévision nationale vont être obligés de se pencher sur le sujet de manière très, très sérieuse. De plus on va se rapprocher des votations, plus ils vont devoir s'emparer du sujet. Après, peut-être, ce sera un peu peut-être pour le démonter, peut-être, pour montrer des gens qui ne sont pas d'accord, mais en tout cas, ils seront obligés de traiter le sujet. Et puis moi, en tant que magazine économique, j'en prends bonne note, parce que nous, on pourrait typiquement, on devrait consacrer de la place et des couvertures même du magazine à un thème comme ça. Les gens, ils ont besoin d'être informés, bien sûr. Merci. On va prendre monsieur. Il y avait d'abord peut-être madame, si vous voulez, parce qu'elle attendait. Vous devriez en Suisse faire des ateliers constituants tenant compte, prenant acte de ce que vous venez d'observer, observant que dans le débat qui précède une initiative, l'appropriation des médias permet de fausser le débat en désinformant les gens. Quand vous allez écrire des articles de constitution, ce qui va vous transformer d'électeur en citoyen, c'est-à-dire que vous allez d'enfant, vous allez devenir adulte, en écrivant des articles qui correspondent précisément à ce problème, vous allez le régler au plus haut niveau du droit. Écrivez les articles, entraînez-vous à écrire les articles qui vont imposer un débat juste. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le débat soit forcément juste? Prendre une tournure très concrète au débat, effectivement. Pensez madame. À devenir souverain en vous entraînant à devenir constituant. Oui, donc un assaillant. Il y a eu un petit problème entre vous deux à propos de l'inflation consécutive à la création monétaire par l'État et l'État financé par l'impôt. On a énormément de difficultés, psychologiquement, presque psychiatriquement, à nous séparer de nos très vieilles habitudes de pensée qui ont plusieurs milliers d'années, on va dire quelques centaines. Hein ? Donc, dès qu'on dit que l'État crée la monnaie, on parle d'inflation. Et puis l'impôt, on pense que c'est pour financer l'État. Mais non ! Quand on passe dans la théorie chartaliste, la création monétaire permet de financer l'État et l'impôt permet de détruire la monnaie. C'est sa seule fonction. J'arrête. Alors, en Suisse, par exemple, l'impôt est prélevé par les différents cantons et ensuite, on nous montre exactement, au niveau en tout cas de l'impôt fédéral, l'impôt total fédéral cantonal, à quoi c'est alloué. Donc, on voit que nous, on donne de l'argent et après, cet argent, il est dépensé sur les différents projets
Et le chartalisme change complètement le paradigme, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'impôt aux dépenses, on dépense en créant la monnaie et on détruit la monnaie en percevant l'impôt. Il n'y a pas besoin de répartir l'argent des impôts sur des dépenses, puisqu'on dépense librement en fonction du bien commun. D'accord. C'est-à-dire qu'on dote notre puissance publique pour l'instant, d'un c'est pouvoir des modifications de rendre... d'ordre comptable, je dirais. Ah oui, mais ça, c'est dérisoire. En fait, c'est très facile à régler les problèmes comptables. Mais ce qu'il y a, c'est que ça donne le chartalisme, qui était admiré par Keynes, hein, d'ailleurs, qui était vraiment considéré comme quelqu'un... Le gars qui a créé ça s'appelait Knapp, et il était considéré comme quelqu'un d'admirable par Keynes. Mm-hmm. Et ça, vraiment, le fait que ça donne à l'État, à la puissance publique, le rôle d'emploi, la puissance d'être employeur en dernier ressort, est complètement décisif. Ça donne envie, ça donne une vraie bonne raison de creuser la question, au lieu de la laisser au rang des... Le citoyen a besoin de savoir que lui, il donne de l'argent à l'État pour que l'État assure des prestations en échange. Ça, c'est important dans le fait que l'État, il est au service du citoyen qui l'élit, et il prend son argent et il l'alloue à certains projets. Si moi, je ne sais plus à quoi mes impôts sont dévolus, j'ai un problème, une rupture de contrat avec les personnes que moi j'ai élues. J'ai besoin de savoir que moi je lui confie des ressources et que lui il fait du bien public avec les ressources que je lui confie. Après, il faut voir si effectivement l'État... Moi j'ai des doutes sur le fait que l'État il peut décider quelle quantité totale de dépenses il va faire. Mais ça peut être avec toi. C'est-à-dire que si c'est toi qui as écrit la Constitution... Parce qu'il ne connaît pas les besoins de l'économie, l'État ne connaît pas. Et la BNS aussi, on va Absolument. Être confronté à ce débat avec l'initiative Monnaie Pleine. La Banque Nationale ne connaît pas les besoins totaux de l'économie. Elle ne peut pas, elle, dire, bon, je vais produire 600 milliards de monnaie, là, et puis, là, enfin, ça, c'est encore un domaine qu'il faut qu'on étudie. Parce qu'on, réalité, c'est qu'on ne connaît pas les effets de cette nouvelle... Les banques commerciales, non plus. Les banques commerciales qui, pour l'instant, créent la monnaie, elles ne le connaissent pas, non plus. Les banques commerciales, elles le font complètement en dépit du bon sens. Les banques commerciales... Quand on vient leur demander de l'argent, elles répondent à la demande individuelle de crédit. Ça ne peut pas être plus basique. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le bien commun. Ça n'a rien à voir avec le bien commun, Mireille. Si, chaque individu peut s'endetter. Oui, mais laisse-moi t'expliquer juste un truc. Et il pourra. J'aimerais juste rappeler, sous le contrôle de monsieur, que les banques commerciales vont continuer à faire du crédit aux gens. C'est juste que le porte-monnaie de crédit, le portefeuille de crédit, il sera externalisé du bilan des banques. Alors, c'est purement un changement comptable. Je ne veux pas rentrer dans les détails de l'initiative Monnaie Pleine, mais elles vont continuer à faire du crédit. Dit, hein. Mais sans création monétaire. On va juste le considérer comme un portefeuille géré à l'extérieur de la banque. Alors après, à la fin, le résultat, il est le même. C'est que moi, je suis client de banque, je vais aller contracter un crédit auprès d'une banque. Ça va se passer de la même façon. On ne va pas me mettre des limites. On ne va pas me dire, ah non, ça, c'est de l'argent de banque centrale. Attention, là, ce que vous recevez, c'est l'argent de la banque centrale. Il faut le traiter autrement. Moi, je vais avoir mon crédit. Ça va se passer exactement de la même façon. Mais à poursuivre. On est tout au début. Il y a l'initiative, vous avez voté dans encore plusieurs mois. Ah, pour ce monsieur, alors. Oui, parce que monsieur, il attend depuis un... Donc, je suis aussi de l'équipe Monnaie Pleine, du comité d'initiative. Alors, vous êtes venu en force. Hein. Mon nom est François de Siebenthal. Nous connaissons. J'aimerais, vu que vous êtes très intéressé par Keynes a écrit vers la fin de sa vie qu'il y avait deux grands économistes. C'était Geisel, donc le système de Vorgel, notamment, et Clifford H. Douglas, qui est un Écossais. Et dans le cadre de Monnaie Pleine, nous sommes donc vraiment pour la création monétaire, pour le bien du pays, et c'est même prévu dans le cadre de l'initiative Monnaie Pleine qu'il y aurait des versements directs à tous les citoyens. Parce que le grand économiste Douglas, d'après Keynes, un des plus grands économistes de l'histoire, il a établi scientifiquement que le pouvoir d'achat par les salaires et par les dividendes et par les revenus, n'achète jamais toute la production. Et c'est de plus en plus le cas parce qu'on a de plus en plus de robots, d'ordinateurs et de machines, et nous n'arrivons pas à acheter toute la production. Il y a un manque chronique de pouvoir d'achat dans l'économie mondiale actuelle. Donc l'idée de Monnaie Pleine, c'est de fournir ce pouvoir d'achat aux citoyens, aux collectivités locales et à la Confédération. Alors maintenant, la discussion que l'on a eue sur qui peut savoir mieux quoi faire... Voilà. Dans le cadre de Monnaie Pleine, nous sommes des fédéralistes, c'est-à-dire qu'on compte sur les cantons, les communes et les pouvoirs intermédiaires suisses. La Suisse a un génie spécial fédéraliste. Et
dans la cuisine politique suisse, actuellement, nous sommes à la croisée de trois chemins. Soit on se bat que pour l'initiative fédérale, c'est ce qu'ils veulent, et on va voter très vite, peut-être même cet automne, pour pas qu'on puisse former d'accord. le public avec les mass médias et des conférences et des discussions. Et comme l'a dit Jean-Marc, nos adversaires ne veulent pas venir discuter parce qu'ils savent qu'on a raison et qu'on gagne devant le peuple, donc ils refusent de venir discuter. Tant mieux pour vous. Alors, deuxième point, la votation. Non, puisqu'il y a des informations. Attendez, ils vont obtenir un refus. C'est important de comprendre la démarche. Si les gens politique. Sont. Il dit qu'ils sont déjà acquis à l'initiative, les gens, à la population. Oui, mais il n'y a pas assez. On a besoin d'une période d'accouchement pédagogique. Oui. Alors, la deuxième voie, et ça, je m'adresse à tout le monde dans la salle, si vous avez des amis politiciens ou des amis économistes ou des amis rédacteurs ou mass-médias, il faut qu'on suive le génie suisse qui s'appelle soit une contre-initiative ou un projet de loi tout rédigé pour faire parler les gens. D'accord. Donc on doit maintenant travailler non seulement l'initiative fédérale monnaie pleine, mais il faut que des gens réfléchissent s'ils peuvent trouver un meilleur projet qu'on appellerait le contre-projet. Oui, c'est très bien. Ou c'est très bien. Un projet de loi tout rédigé qui s'appelle un projet de loi rédigé. C'est toujours et là, perfectible. On n'est plus lié par l'unité de la matière comme l'initiative fédérale était liée. Donc on a devant nous même la revision, c'est ce que demande AA Positif ou plus, même la revision de la Banque nationale suisse. Donc nous avons besoin de vous, Mirette, et des mass médias pour nous aider dans cette démarche. Le débat, il va avoir lieu. Voilà. On va poser toutes les questions. Il ne faut pas que la votation aille très vite cet automne, parce qu'on risque de la perdre. Tandis il ne faut pas. Si on travaille et on réfléchit, il n'y a pas urgence. Et on fait un accouchement public des idées de monnaie pleine et de contre-projet d'initiative, on gagnera cette initiative. Et c'est pour le bien de tous. Hein, parce que c'est je vous le souhaite, mais j'aimerais juste dire quelque chose sur l'initiative monnaie pleine et celle d'avant sur le revenu de base. Il ne faut pas présenter les choses aux gens comme quoi ils vont s'enrichir. Hein. Quand on aura la monnaie pleine, on va tous gagner de l'argent, on va tous gagner du pouvoir d'achat. Ce n'est pas du tout ça. Hein. L'argent, il va juste être distribué différemment, mais on ne va pas tous devenir plus riches. C'est comme l'initiative revenu de base où on nous dit on va tous toucher 800 francs à partir de l'âge de 18 ans, puis après on découvre qu'après il faut le financer par davantage d'impôts sur le travail et sur la TVA, etc. Il ne faut juste pas vendre non plus le miroir aux alouettes aux gens. C'est tout ce que je veux dire. Et puis sinon, le débat il aura lieu et toutes les questions vont être posées. Alors ça, je suis sûre, et surtout je compte sur le service public, la RTS, parce qu'eux, ils sont obligés. Hein. C'est leur mission. Ils sont payés BILAG. On paye BILAG pour ça. Donc, ici. Donc. Oui, alors monsieur, cher. Oui. D'accord, merci. Oui, monsieur. On a beaucoup de questions encore, Étienne. On n'a pas fini de travailler, Étienne, attention. Je voulais... je vais revenir en fait sur des choses qui ont été dites par différentes personnes, dont vous. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Michel Demars. D'accord. Je m'intéresse à l'économie depuis assez longtemps. Et en fait, la vraie richesse, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'argent. Ce sont les biens et services. Ah, bien sûr. Donc, si on revient à ça, moins il y a de chômage, plus il y a de richesse. Et je reviens sur quelque chose qu'a dit Étienne Chouard, c'est que, effectivement, si on adapte la masse monétaire au nombre de personnes qui sont au chômage, on va réduire le chômage sans déclencher l'inflation. Et l'inflation, on peut la bloquer puisqu'on peut bloquer les prix. C'est quelque chose qui a été fait en 81 en France, par François Mitterrand. Mmh. Il a bloqué les prix et l'inflation, qui était à 14%, est passée à 2 ou 3% en France. Oui, c'est vrai qu'en Suisse, on a du mal à aller contre la vision libérale des choses et à faire de l'interventionnisme sur les prix. Donc, il y a cet aspect. Il y a aussi l'autre aspect qui va là dans le sens de la monnaie pleine. Ça devient de l'économie dirigée. C'est l'économie administrée, voilà. En tout cas, dans la tradition suisse, c'est complètement inconcevable, je dois dire. Vous êtes français, monsieur, ou vous êtes... Je suis français, mais je vis en Suisse depuis très longtemps. Alors, vous savez qu'ici, vraiment, il y a une grande opposition du peuple lui-même à tout ce qui est vraiment dirigiste ou interventionniste, et qu'on n'a pas de secteurs qui sont subventionnés, on n'a pas de prix contrôlés. Depuis, je ne sais pas à quand ça remonte, mais c'est vrai qu'on attribue la prospérité de la Suisse aussi au fait qu'on laisse les prix se déterminer librement. Mais j'ai juste envie de dire par rapport au chômage. Maintenant, vous parlez du chômage. J'étais à une conférence sur l'insertion des personnes qui sont à l'assurance invalidité et à l'assurance chômage. Et puis, on découvre qu'en fait, les entreprises, elles ont entre leurs mains
d'aller recruter en Suisse davantage auprès de l'office de placement de chômeurs, auprès de l'office AI, assurance invalidité, de recruter des femmes en sous-emploi qui aimeraient bien travailler mais qui ne sont pas assez employées, de recruter des seniors et de revaloriser les seniors. J'ai envie de dire, qu'est-ce que les entreprises attendent pour aller, puisqu'on parle en plus de préférences nationales, etc., qu'est-ce qu'elles attendent pour aller vers ces viviers d'employés? Oui. Et là, on pourrait vraiment remédier un petit peu au chômage. Alors, ce que je dirais, c'est qu'elles attendent la consommation. Et là, dans ce sens-là, si elles attendent la consommation... La consommation Oui, la consommation. C'est-à-dire, si les ménages se mettent à consommer plus, ça va dans le sens de Étienne Chouard et dans le sens de la monnaie pleine et du fait que finalement aussi on veut le regain de pouvoir d'achat, si, vous voulez si dire. On a un pouvoir d'achat qui est supérieur, on va pouvoir relancer l'économie et on va pouvoir permettre d'avoir un système économique qui va tourner plus vite et qui va permettre de résorber le chômage. Donc typiquement, plutôt que de distribuer l'argent, on peut réduire les impôts des gens. Les gens ayant plus d'argent, ils vont dépenser plus. Et ils vont réduire le chômage, ce qui fait que tout le monde va se trouver mieux, puisque finalement, d'accord, moi, quelqu'un qui est au chômage, ouais, il n'est pas bien dans sa très bien, merci donc, beaucoup. Voilà. Merci. Il y avait un monsieur ici au milieu, d'abord. Juste un mot, si vous distribuez du pouvoir d'achat, vous n'aurez pas mécaniquement une dépense anti-chômage. Il faut aussi fermer les frontières, en tout cas contrôler les échanges commerciaux, parce que... Si nous achetons, si quand on nous donne de l'argent, nous allons acheter des produits étrangers, l'argent distribué fout le camp et le chômage continue. Donc le libre-échange qui consiste à ouvrir les frontières et à nous mettre en concurrence sauvage avec une concurrence déloyale des pays esclavagistes qui respectent ni Dieu ni diable, qui n'ont ni foi ni loi, qui respectent ni l'environnement, ni leurs salariés, ni la terre, ni rien du tout, se mettre en concurrence avec ces gens-là, nous tire tous vers le bas et nous ruine. Enfin, le chômage, je rappelle que c'est une construction politique, c'est un outil de domination. Mmh. Et que donc... Il y avait un sujet qu'on... Ça tombe bien, la Suisse a voté contre l'immigration de masse et maintenant la loi d'application est sortie. Et puis il faut préférer les locaux. D'abord, il faut aller vers les justement. Je ne parlais pas tellement de ça. Moi, je pensais au libre-échange simplement. Hein, le libre-échange des. Je ne disais pas que ça fait rentrer par les frontières des gens qui font baisser les salaires. Non, mais le fait de. Jusqu'en 2000, en France, nous avions des quotas avec la Chine. C'est-à-dire qu'on échangeait avec la Chine, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y avait des limites, quoi. Et depuis que nous avons fait sauter ces limites, la balance commerciale, la balance des paiements s'effondre littéralement. C'est-à-dire que là, on n'est plus en déficit, c'est complètement abyssal. Mais c'est complètement lié à une incurie politique. Nos acteurs politiques, avec le libre-échange... Le constat, aujourd'hui, il est... Ce bouquin-là, je te le recommande. Je devrais te l'offrir, en fait, ce bouquin. Ça, c'est un de mes meilleurs livres en économie. Hein. Comment les pays riches sont devenus riches? Pourquoi les pays pauvres restent pauvres, de Eric Rennert. J'ai entendu parler. Excellentissime. Ouais, ce gars-là a, dans sa bibliothèque, 40 000 bouquins d'économie. Oh, 40 000, c'est complètement extravagant. C'est vrai, non. Donc, il est à la fin de sa vie. Et ce gars-là les articule. Dans ce bouquin, il articule des pensées économiques qu'on a complètement oubliées. C'est-à-dire que c'est inaccessible. Il y a trop de savoir. Et le fait de le concentrer dans un bouquin... Ouais. La compréhension des hommes... Il y a longtemps qu'on a compris. Il y a longtemps qu'on sait comment les pays riches sont devenus riches. Ouais. Et donc les rendements croissants, les rendements décroissants, et enfermer les pays pauvres dans des activités à rendement décroissant, ça les condamne à la pauvreté. Ouais. Et en tout cas, chez nous, le besoin de protection, aujourd'hui, je crois qu'il est devenu clair. Pas chez les dirigeants. Il ne faut pas maintenant se voiler la face. Bien sûr, oui. Donc il faut d'abord qu'on se débarrasse. Monsieur qui est au centre. Excusez-moi, j'avais encore. Non, mais on passe à la question suivante, s'il vous plaît. Là, on a. Ouais. Par rapport à ce qui vient d'être dit, l'ouverture des marchés, si on ferme l'ouverture des marchés, il n'y a plus le problème. Oui, merci beaucoup. On peut avoir la question suivante. Donc dans l'Union européenne, il y a l'ouverture des marchés qui est une catastrophe aussi. Hein. Oui, ça, c'est sûr, un des 10 points majeurs. La Suisse est aussi dans cette même logique de revenir en arrière là-dessus. Monsieur. Oui, bonsoir. Donc je m'appelle Christophe, je suis professeur de sociologie et d'anglais. D'abord, je vous remercie pour votre travail, pour l'information et la réinformation que vous faites, parce qu'on en a besoin. Je voulais vous poser une question par rapport à la dette, dont on a parlé au début de la conférence. Notamment, le système par lequel le système réinjecte constamment la liquidité dans l'économie pour...
maintenir le, pour la maintenir, en fait, pour ne pas que, qu'elle s'effondre. Donc, parfois, on parle de, d'effondrement économique. Pendant, après 2008, on a eu l'impression qu'on allait assister à un effondrement économique qui n'arrive pas, qui n'arrive pas. On nous dit toujours que les banques sont sauvées par la réserve fédérale américaine ou d'autres gros établissements. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas l'objectif ? Puisque tant que les pays et les gouvernements restent en dette, eh bien, ils sont, ils sont asservis. Donc, est-ce que ce n'était pas l'objectif de départ ? Et est-ce que tant que, vu que l'argent est créé à partir de rien, on ne risque pas de rester dans cette situation ad vitam aeternam, tant que les grandes institutions comme la Federal Reserve continuent à injecter de l'argent dans le système ? Est-ce qu'on va arriver vers un effondrement économique ou est-ce que le but est justement non, qu'on reste toujours asservi et qu'on ne puisse jamais rembourser cette dette ? Mais, alors, le but, voilà, c'était pas d'être asservi parce que personne veut que ça. On veut d'abord gagner de l'argent. Donc, le but, c'était de spéculer sur des valeurs un peu virtuelles pendant la crise hypothécaire aux États-Unis. Donc, il y a énormément de gens qui se sont fait énormément d'argent. Hein. Ensuite, il y a eu 10 000 milliards de valeurs qui ont été détruites au moment du crack. Et à ce moment-là, c'est vrai que le but était d'endetter artificiellement les gens pour qu'ils continuent de consommer alors que beaucoup de valeurs avaient été détruites. Alors, on est maintenant coincé dans une situation où les gens se sont tous surendettés. Ils ont plusieurs crédits, ils ont des cartes de crédit à n'en plus finir. Ils ont de la dette estudiantine, de la dette automobile, de la dette hypothécaire. Et on veut encore les endetter par-dessus parce qu'il n'y a pas de fin à ça. Si on veut qu'ils continuent de consommer alors qu'ils ont déjà pris énormément de crédits, il faut qu'on les garde dans cette logique. Et donc, l'épargne est à des niveaux extrêmement bas. Elle n'est même pas rémunérée pour la décourager. On décourage les gens de mettre de l'argent de côté parce qu'ils ne gagnent rien dessus. Maintenant, ils payent de l'argent sur leur épargne. Pratiquement, ils sont pénalisés pour avoir de l'épargne. Et donc, en fait, comment, vous avez raison, comment on sort de ce système ? Oui, c'est ça. Parce que si on continue, on ne va faire que gonfler. Et nous, on le en dit Islande, depuis... En Islande, ils tuent les banquiers et les jettent en prison. Alors je ne sais pas. Je rappelle ça, qu'à Athènes... Voilà. À Athènes, quand un citoyen avait tué un oligarque, on lui faisait un arc de triomphe. Alors, il y a des questions. Il y a un monsieur au fond et il y a un monsieur devant. Oui. Il y avait... Bonjour Fabien, en fait je suis belge, donc voilà. Par rapport à l'endettement de la Suisse, c'est 33%. Quel est votre prénom ? Fabien. D'accord. Donc l'endettement de la Suisse, c'est 33%. Mais par rapport à la dette, il y a une solution. Ça a été fait en Allemagne en 34, de 34 à 37. Et c'est le président de la banque allemande qui a donc dévalué la monnaie. Il est passé du Deutsche Mark au Rentmark. Il a créé une nouvelle monnaie. Et en faisant ça, il a dévalué la monnaie, ce qui a fait que la dette allemande, ils ont pu la rembourser totalement. Et en plus de ça, il a rendu l'Allemagne insolvable aux pays étrangers. Donc, ils n'ont pas dû rembourser immédiatement la dette. Donc, ça, c'est une solution pour... Vous parlez de la période de Weimar, avec l'hyperinflation. Et vous préconisez ça. Vous dites que c'est bien. Oui. Mais il y a mais c'est là qu'il y a eu la dévaluation. Il y a eu de l'hyperinflation, mais sur un très court moment. Oui, écoutez... Tout le monde a pensé à ça. Il se trouve que tout le monde est en train d'essayer de dévaluer. Mais le problème, c'est que comme chacun dévalue, il y a une guerre de dévaluation. Donc le dollar, il baisse. Mais après, l'euro, il baisse encore plus. Après, le dollar, il baisse plus. Et l'euro, il baisse plus. Et le yen aussi. Et le yuan, tout le monde s'y met à faire baisser plus. Et donc, personne n'arrive à être faible vraiment par rapport aux autres. Parce que vous ne pouvez pas dévaluer si vous n'êtes pas dévalué par rapport à une autre monnaie. Et donc, comme on est dans une guerre des monnaies depuis maintenant quelques années, les États-Unis n'arrivent pas à faire défaut par dévaluation. Donc, ce qu'ils font, c'est autre chose. C'est qu'ils rachètent leur propre dette pour la faire monter en valeur. Ils la rachètent eux-mêmes. Ils produisent la dette et ils la rachètent. Le Trésor produit la dette et la Banque centrale, elle rachète la dette. Elle a maintenant sur son bilan 5 000 milliards de dette propre à elle, qui est parquée sur le bilan. Et donc, ils sont obligés de continuer à faire semblant qu'il y a un marché pour leurs dettes. Comme ça, ils peuvent encore continuer à s'endetter. Mais le dollar, il ne va pas baisser face à lui-même. Il doit baisser face à une autre monnaie. Et comme tous les autres gouvernements occidentaux, le G7, ils sont surendettés. Ils essayent tous de dévaluer pour affaiblir la valeur de leurs dettes. Mais si vous dévaluez par rapport à quelqu'un qui dévalue, votre monnaie, elle reste un peu forte, en fait. Mais c'est pour ça qu'il faudrait retourner à un standard d'or. Ah ? Il faudrait retourner à un standard d'or. À un standard or. Et ouais, il se trouve que si on retourne à un standard or, les gens ils pourraient abandonner ces monnaies de monopoly pour l'or. Et les gouvernements ont tellement peur de ça qu'ils,
qui parlent mal de l'or maintenant. Ils parlent de l'or comme quelque chose qui vaut rien. Mm-hmm. Et donc, nous, on perd confiance dans l'or parce que eux, quand une banque centrale ou un gouvernement dit que l'or ne vaut rien, la cote de l'or, elle baisse sur le marché. Puis nous, ça nous, si on détient de l'or, ben, ça nous pénalise. Alors on se dit, oula, les gouvernements en ce moment, ils n'aiment pas trop l'or. Alors on va... Oui, bien sûr. Tu veux bien qu'on en parle un peu ? Oui. Alors parlons de l'or, mon seigneur. Alors, on avait deux questions. Si on décide, un petit instant, on prend tout de suite. Juste un instant, j'en ai pas pour très longtemps. Oui. C'est des objections importantes au standard or. Oui. Au retour à l'étalon or. Toi, tu n'aimes pas pour le standard non, or. Je vois des inconvénients majeurs, mais peut-être que je me trompe. Hein. Je ne cherche pas à avoir raison, je cherche à ne pas me tromper. Oui. Il me semble que si on revient à l'étalon or, oui, ceux qui ont de l'or aujourd'hui vont être très riches. Oui. Définitivement, en tout cas pour longtemps. Et bien ceux sûr qui n'ont pas d'or vont être définitivement pauvres pour longtemps. C'est pas faux. Ça va, naturaliser, ça va pérenniser, ça va rendre éternelle une injustice complètement criante. Alors, juste en fonctionnant. Une petite remarque par rapport à ça. Ceux qui ne détiennent pas d'or, ils vont détenir de la monnaie. Cette monnaie, maintenant qu'elle est gagée sur l'or, elle va valoir davantage. Mais comment ils vont faire pour avoir de la monnaie gagée sur l'or s'ils n'ont pas d'or ? Puisqu'il y a l'étalon or. Alors, si par exemple, moi j'ai des dollars. Prends le Mali, il n'y a pas d'or. Au Mali, non, alors si la Banque centrale du Mali, elle ne détient pas d'or, elle n'instaure pas l'étalon or, c'est que ma monnaie, elle ne vaut rien au Mali. Elle ne vaut rien pour l'étalon or, donc ce pays reste extraordinairement pauvre. Enfin, ce seront vraiment les banques centrales qui ont de l'or, et en l'occurrence aujourd'hui, c'est la Russie et la Chine, et le Kazakhstan et quelques banques centrales de pays du Sud et émergents qui ont de l'or, et ben leur monnaie, elles vont devenir fortes. Non, mais voilà. Mirette, ça n'a rien à voir avec l'intérêt commun de l'espèce humaine, ça, non ? Ça va récompenser ceux qui ont eu la prudence de thésauriser de l'or et de comprendre qu'il faut détenir de la valeur tangible. Les autres, ils ont entassé du papier qui garantit du papier. C'est ce que tout le monde fait maintenant en Occident. La monnaie, les réserves monétaires, c'est du papier qui est censé garantir du papier. C'est du vent qui garantit du vent, quoi. C'est pas quelque chose qu'il faudrait sanctionner un jour. Je crois que tu as compris mon objection. Oui. Tu as compris l'objection. Enfin, j'ai pas envie que les gens crèvent de faim, quoi. Tu vois, je cherche un système de. Si le papier a été dévalué, ouais, on le fout à la poubelle, on crée un autre papier qui est rare, enfin qui est bien géré avec des comités citoyens. Qui est gagé sur quelque chose, oui. Mais gagé sur le fait, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, parce que le chartalisme permet de garantir, s'il est sous contrôle citoyen et pas sous un contrôle politicien, le chartalisme, tu sais, où un État rend les services qu'on attend de lui et détruit la monnaie au fur et à mesure pour qu'il n'y en ait pas trop. D'accord. Donc il détruit, donc il prélève de l'impôt et il décide d'augmenter les impôts. La rareté de la monnaie fait de la monnaie une monnaie forte. Une monnaie pas forte. Par exemple, la Suisse, oui. Attends, je ne raisonne pas en termes internationaux parce que je refuse l'idée de monnaie marchandise avec la spéculation sur les monnaies. Ça me paraît inacceptable. Voilà, un État digne de ce nom. Essaye d'acheter de la monnaie marocaine. Tu vas voir qu'il y a un roi au Maroc et que le roi, il dit « Ma monnaie, tu ne l'achètes pas. Bah, » Enfin, tu peux l'acheter, mais tu me demandes l'autorisation. Tu vas me dire pourquoi tu veux l'acheter, combien t'en veux. Puis moi, je vais jauger le truc. Je vais voir est-ce que c'est utile pour mon pays ou pas utile pour mon pays. Oui. Si c'est utile, ok, je te la vends. Et si ce n'est pas utile, bah, tu ne l'auras pas. Voilà, elle n'est pas à vendre, ma monnaie. Donc, un État digne de ce nom, laisse pas sa monnaie, qui est un fluide vital pour son pays, vendre et acheter comme une marchandise en proie aux spéculations. Ouais, je saisis très bien ta pensée, c'est que toi, tu es contre le marché pour des choses aussi stratégiques et importantes que la dette des États, le capital des États, en fait, et les monnaies. Alors, c'est vrai. Deuxième objection sur l'or, Mirette. Oui. Sur l'étalon or. Il me semble que pour pratiquer tous nos échanges dans un corps social, on a besoin de signes monétaires, donc des signes monétaires, des titres porteurs de pouvoir d'achat, en nombre suffisant pour que, de façon fluide, nous ayons cette possibilité d'emmagasiner parce qu'on a fait un travail et on n'a pas encore la contrepartie. Bah, avec la monnaie, on a cette espèce de déplacement possible sur plus tard. Mais voilà. Nous avons tous besoin que la monnaie soit en quantité suffisante. Et plus on est nombreux et plus on est actif, plus on donne du boulot à tout le monde, plus on a besoin de signes monétaires. Mmh. C'est juste. Donc, il nous faut un moyen d'avoir de plus en plus de monnaie. Si nous sommes de plus en plus nombreux ou si nous avons de plus en plus d'activités utiles, il faut que nous ayons un moyen d'augmenter la masse monétaire. Oui, ça c'est vrai. Or, l'étalon or, il nous fige, il nous contraint à une quantité d'or qui n'a
à mon avis, rien à voir avec l'évolution de nos activités et du nombre que nous sommes. Ça dépend de la valeur que tu donnes à l'once d'or et combien elle garantit de monnaie. Donc tu vas être obligé d'évaluer régulièrement, c'est-à-dire que tu vas être obligé de dire aujourd'hui, la monnaie nationale, hier elle valait X d'or, chaque billet valait X d'or, et puis aujourd'hui c'est X moins 1 parce qu'on a besoin de plus de signes, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'un pays, idéalement, oui, il doit pouvoir rembourser en or la totalité de la monnaie en circulation, idéalement. Oui, mais si en tu fait, veux plus de signes monétaires... Si c'est 20% déjà, ça veut dire qu'elle est très très bien garantie, elle est très bien engagée. S'il n'y a que 20% de réserve, c'est déjà énorme. On considère aujourd'hui... Ah, tu ne mets pas 100% de... Si tu as 20%, c'est très bien. C'est comme les hypothèques. Quand tu prends une... Je ne sais pas, en France, vous n'avez pas trop les hypothèques. Si tu prends une hypothèque, puis tu as des fonds propres pour garantir 20%, c'est considéré que tu as une très bonne base. Tu ne vas pas... à 100% couvrir ta monnaie. C'est vrai. Et après, il faut décider quelle est la bonne fraction d'or que tu peux avoir et qui est censée quand même garantir un minimum de ta monnaie en circulation, qu'elle ne soit pas entièrement engagée sur du vent. Et pourquoi tu fais ça ? Qu'elle ne soit pas décrochée de toute valeur tangible. Entends-moi. Je comprends cette aspiration. Hein. Je comprends bien les gens qui défendent l'étalon or parce qu'ils sentent que si on ne fait pas gaffe... la monnaie va finir par ne plus rien valoir et on va perdre complètement le fluide vital dont on a tant besoin. J'entends ça. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas garantir la confiance dans cette monnaie autrement que par La gager sur d'autres ressources, d'autres valeurs, bien sûr. Autre chose qui peut être... Mais sur quelque chose, je veux dire. Sur quelque chose qui a une vraie valeur tangible. Est-ce que ça ne peut pas être notre travail, le fait que nous travaillons tous? Eh bien, voilà. Est-ce que ça ne peut pas être des bons travaux, des heures, quoi, ça Tu viens de décrire la Suisse. Le franc suisse est gagé sur une société qui a un travail de haute valeur ajoutée, qui a une économie qualitative avec un faible endettement, une stabilité des taux d'intérêt et de l'inflation qui sont faibles. Et le franc suisse, il reflète ça. Donc, ce que tu viens de dire, c'est la Suisse, elle a une monnaie qui évolue comme l'or. J'ai observé l'évolution du franc. Il évolue face au dollar comme l'or. Et on pourrait pas après l'or, il y a le franc suisse. Sur le billet suisse, on pourrait, je pense à la même chose en France, est-ce qu'on pourrait pas écrire 100 heures françaises ou 100 heures suisses? C'est-à-dire, c'est les heures. Ça vaut 100 heures, de travail. Magnifique. C'est aberrant, ça, ou pas? Ce serait magnifique. En heures de travail. Dans l'État de New York, il y a une monnaie locale qui s'appelle Ithaca. Où justement ils ont fait une monnaie locale qui est gagée sur le temps de travail. Ça veut dire que politiquement on considère que le travail d'un médecin égale celui d'un balayeur. C'est le capital d'un pays, c'est vrai. Ça veut dire que tu reconnais que c'est la ressource principale, la matière première de ton pays. Et c'est mieux que l'or, ça, non ? Ouais, c'est mieux que l'or parce que ça c'est en quantité Plus on travaille illimité. Pour notre monnaie et ça colle, quoi. Donc c'est on n'a pas de rareté, donc on n'a pas d'inflation. Tout à fait. Tu vois, ça c'est l'innovation monétaire à laquelle je crois qu'on veut. On aspire tous aujourd'hui. Merci, monsieur. Bonsoir, Christian Sutter. Il y a peut-être une question qui me paraît plus importante et prioritaire qui n'a pas été abordée. Christian Sutter. Oui, c'est mon nom. Non, la question était de partout en Europe, lors de la prochaine crise, les lois ont été modifiées de façon à ce que les banques puissent se refinancer en saisissant directement l'argent dans le compte des clients. Ouais. Donc techniquement, c'est ce qu'on appelle le bail-in. C'est prévu en Suisse aussi. C'est prévu, en Suisse depuis 2012. Depuis 2012, bravo. 30 août 2012. En France, depuis les épargnants aux fins d'assainissement. Voilà, en France depuis le 1er janvier 2016. Est-ce que ça ne devrait pas être finalement dans le débat politique aujourd'hui la première urgence à traiter, parce que le système, il va peut-être péter avant qu'on ait eu le temps de remettre la main dessus. C'est juste. Ça reviendrait finalement aussi à remettre en route le volet pénal, de dire que finalement, au lieu de reponctionner dans le compte des gens, est-ce qu'il ne faudrait pas enfin juger tous ces gens et mettre en prison les responsables? Alors écoutez, vous avez raison de soulever cette question. En 2010-2012, on a tous eu le choc de découvrir qu'il y a eu des ordonnances qui sont passées sans consultation démocratique, d'abord à Chypre et ensuite en Europe et en Suisse au même moment, qui permettent aux banques de prélever de l'argent sur les comptes des épargnants qui ont déposé de l'argent à la banque aux fins d'assainissement de la banque. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire, les épargnants étaient considérés comme des créanciers ou des détenteurs d'obligations ou d'actions de cette banque.
Et là, on a modifié une définition légale qui était auparavant que c'est seulement les créanciers qui perdent de l'argent contre la banque. Si moi, je suis quelqu'un qui a prêté de l'argent à cette banque ou je suis actionnaire de cette banque, c'est normal que si ses actions s'effondrent ou ses obligations s'effondrent, moi, je perds de l'argent. Mais si moi, j'ai ouvert un compte dans cette banque, comment ça se fait qu'on va aller dans mon compte privé prendre de l'argent pour assainir la banque? Ça, c'était hallucinant et c'est parce qu'on a modifié la définition de l'épargnant pour le transformer en créancier. Et ça, c'est vrai que c'est passé tout droit. En Suisse, c'est une ordonnance de la FINMA, de l'autorité de régulation des marchés, qui a décidé de ça, du jour au lendemain. Et même ça, ça n'a même pas été vraiment en une des journaux ici quand c'est arrivé. Et puis après, quand on les consulte, ils disent « Mais non, mais c'est exceptionnel, c'est vraiment pour une banque, pour un cas particulier, c'est jamais pour tout le système. En plus, vous êtes garanti jusqu'à 100 000 francs. » C'est vrai qu'il faut aussi préciser. Hein. En Suisse, jusqu'à 100 000 francs, ils ne peuvent pas toucher. C'est au-delà de 100 000 francs qu'ils peuvent toucher à nos comptes. Madame Zaki, vous savez... Ouais. Ouais. Il y a 6 milliards en tout, et une fois qu'ils sont épuisés, justement, et c'est là qu'ils vous disent, mais il faudrait que tout le système bancaire se crache en même temps, mais ça ne va pas arriver. Eh bien, si, peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est déjà, en plus, UBS a déjà un précédent. Donc, oui, il faut mettre ça en consultation. Pourquoi quelqu'un le met, il faut récolter 100 000 signatures et mettre ça en consultation populaire? Oui. Heureusement qu'on a le droit d'initiative, mais c'est vrai, il faut s'en emparer, parce que ça, c'est... On n'a pas été consulté, simplement, c'est vrai. Dans la constitution du plan C, c'est une constitution d'origine citoyenne, qui est un chantier pédagogique où on montre ce que ça donnerait si c'est nous qui écrivions les constitutions. On a interdit les banques privées, et on a même fait de la volonté de créer une banque privée un crime. Donc c'est criminel de vouloir être banquier. Donc comme ça, t'es débarrassé du problème, c'est interdit dans la Constitution. Toutes les banques doivent être publiques, la banque doit être publique, ou les banques. Mais une banque privée, c'est un fléau de l'humanité, et c'est à nous de l'écrire. Et quand vous l'écrivez, vous devenez souverain. C'est ça, il faut que... Vous entraînez à être souverain. C'est ça, absolument. Très bien, c'est bien de le... Oui, bien sûr. C'est moi qui ai le micro. On a Nicolas Brier, Boris Engelson, là, qui lève la main, je connais tous dans la salle. C'est déjà distribué. En tout cas, ces deux, je les connais. Nicolas. C'est déjà attribué. Ah, pardon, monsieur. C'est déjà fait. Je m'appelle Lucas, je suis astronaute. Ah, bienvenue. C'est rare. Hein. J'écris. Vous êtes astronaute? Oui. Ah, d'accord. Sur Terre. Ah, sur Terre. J'écris, je fais de l'agriculture et je fais du pain. Voilà, essentiellement. Du pain, pain oui. D'accord. Et d'ailleurs, c'est mon gagne-pain en ce moment. D'accord. Et je veux faire une petite remarque, et après j'ai une question, une série de questions. D'abord, ma remarque, mon constat, c'est des droits ou des lois qui gèrent tout ça dont vous parlez aujourd'hui, ça n'existe pas. Des droits, ou ce qu'on appelle, je pense qu'on appelle un droit ou une loi, ça n'existe pas. Il n'y a que des privilèges. C'est-à-dire, à toutes les échelles, vous pouvez aller à n'importe quelle échelle, vous trouverez des privilèges qui sont définis comme droits ou comme lois. C'est-à-dire, il y a évidemment énormément de lois et de droits pour les riches, pour les très riches et pour les encore plus riches. Mais après, il y en a aussi un paquet pour les moins riches, pour les, même pour les pauvres. Il y a des privilèges à toutes les échelles. Je dirais, on essaie même à attribuer des privilèges à la nature, ou aux animaux, ou aux plantes, ou quoi que ce soit. D'accord, on va dire ça. D'accord, ensuite voilà, ça c'est mon constat. D'accord. Et maintenant, mes questions sont en fonction de ça. Qu'est-ce qui est mieux d'être riche et de bonne santé, ou pauvre et malade? Qui est mieux, franchement? Riche et en bonne santé, peut-être. C'est mieux d'être riche et de bonne santé. Oui, il me semblait aussi. Hein. Est-ce que c'est mieux d'être riche et de bonne santé ou pauvre et de bonne santé? Riche c'est et déjà bonne plus santé. Compliqué. Qu'est-ce qui se passe s'il y a certains qui sont riches et de bonne santé et plein qui sont pauvres et malades? Est-ce que ça... Ça, vous avez déjà dit. Non. Oui, c'est ce que vous avez dit en premier. Non, mais les deux vous en voulez lien. Dire riches et pauvres, riches et malades. S'il y a quelques-uns qui sont riches et de bonne santé et beaucoup qui sont pauvres et malades. Est-ce que ça, c'est bien? Non. Non. Est-ce que c'est bien quand il y a quelques-uns qui sont riches et malades et d'autres qui sont, plein d'autres qui sont pauvres et de bonne santé?
Bah, disons que les riches, ils peuvent bien se soigner. Ils ont déjà accès à une très bonne médication. Ouais. Après, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelques riches qui sont malades et plein de pauvres qui sont malades? C'est pas bien, c'est pas bien du tout. Et moi, je pense qu'on n'est pas loin de là, en tous les cas. D'accord. Qu'est-ce qui se passerait et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse et qu'on pense? Parce que notre pensée est une créatrice énorme. Si tout le monde était riche et de bonne santé, c'est-à-dire à quoi ressemblait notre monde, notre planète, pas la France ou la Suisse ou quoi que ce soit, notre planète, que tout le monde soit riche et de bonne santé. Et bien entendu, riche au niveau matériel, au niveau social et au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau de nos besoins. Il n'y a pas de riche sans pauvre, c'est relatif. Au niveau de nos besoins matériels. Si tout le monde est riche, il n'y a pas de riche. Etienne a raison. Juste, après. Très bien, bah, on a bien compris. Ça, après, vous pouvez réfléchir dessus tout seul. En tous les cas, je pose ces questions parce que notre système, à mon avis, et de toutes les solutions dont on parle, c'est des solutions qui ne pose pas la question de base. C'est-à-dire, c'est un système qui se base sur des inégalités qu'on pense qui ne sont pas altérables. C'est-à-dire, le capitalisme, sous toutes ses formes depuis 10 000 ans, postule qu'il doit avoir quelques-uns riches, élitaires, plus ou moins nobles, et beaucoup de pauvres. Voilà. C'est okay, la merci constante. Beaucoup. Merci. Et c'est la question, si on peut altérer cette croyance radicalement. Merci beaucoup. Merci, on peut répondre. Non, non, monsieur, on peut arrêter de faire campagne pour Monnaie Pleine pendant 5 minutes. Merci. C'est gentil. Monnaie Pleine, c'est monsieur qui fait campagne pour Monnaie Pleine. Non, non, mais c'est plus nuancé que ça. C'est qu'il y a au bout d'un moment, il y a des mécanismes de redistribution qui ont complètement perdu de leur efficacité. Et quand il y a une crise majeure comme en 2008, ça a accéléré la redistribution vers le haut. Et à chaque crise, il y a les inégalités qui se creusent parce que ça redistribue vers le haut. Et là, le remède à la crise depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, qui est des politiques monétaires qui sont hautement spéculatives dans leurs effets, elles redistribuent aussi loin des salaires et vers le capital. Donc, il y a des politiques qui sont menées qui sont plus ou moins redistributives et il y a eu des dérives dans ça. Et maintenant, le capitalisme lui-même, il ne décolle plus. Sa croissance est anémique parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont sortis du circuit de la consommation et de l'épargne. Alors, le capitalisme lui-même est embêté parce qu'il ne peut pas croître autant qu'il le voudrait parce qu'il s'est lui-même déséquilibré un peu trop. Nicolas Briet, Boris Engelson, là, qui veulent poser des questions. Ils vont bientôt oublier les questions si on ne leur passe pas le micro. Non, mais je connais Nicolas, il n'oublie jamais ses questions. Salut, Nicolas, merci, hein. Je t'entends ? Je n'entends pas, là. Ah, c'est Boris qui a piqué le micro. Okay. Boris, toujours plus rapide. Hein. Ou alors, Boris. Attention, Boris, quand il pose une question, ça dure une demi-heure, alors préparez vos coussins. Le micro, je n'ai pas pris. Même Étienne, il se souvient de toi, Boris. Depuis il y a 5 ans, il se souvient de ta question. Elle avait duré tellement longtemps. Le micro, je n'ai pas pris. Bref, la question brève. Le micro, ça fait 3 heures qu'on est là. Je ne l'ai pas pris de force. Non, non, et je ne suis pas sûr que ma question sera tellement plus longue que les permanentes mises en garde que chaque conférencier se croit tenu d'avoir sur le fait que j'ai des longues questions. Généralement, ce genre de remarques liminaires sont encore plus longues et plus systématiques que mes questions. Bon, d'accord, passons à la question. Tiens. Je ne suis pas Boris Engelson. Quand je viens, je suis quelqu'un qui est au jour zéro de sa vie et qui a une question et je ne veux pas être catalogué d'avance par des gens qui... Mais on t'aime bien, c'est pour ça. Non, eh ben, je déteste être aimé. Alors, j'aimerais quand même... Non, mais... J'adore les gens qui brouillent les cartes et donc notre astronaute Boulanger a toute ma sympathie. Je me présente. Je ne suis pas Boris Engelson, je suis une oie qui a été gavée pendant 3 heures d'un concentré d'études économiques qui normalement prennent 10 ans ou 100 ans ou 1000 ans à être absorbées.
Je vous en remercie, parce que j'ai quand même compris une chose. L'idée centrale, c'est qu'il faut vider les poches des banquiers et que nous allons tous en bénéficier. Je m'en réjouis. Mais je peux quand même me poser la question. Je crois que vous avez été de très bonne foi tous, donc je ne peux pas me plaindre du gavage. Il n'était pas pollué. Mais on peut se poser la question, est-ce que tout ce que vous avez dit est juste? Parce que vous avez quand même, vous nous avez déversé à peu près 1 million de faits et 1 million d'idées qui n'étaient pas toutes articulées autour d'une idée centrale. Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je dois penser de ce million d'idées, de ce million de faits que vous nous avez administrés? Je prends au hasard le dernier que j'ai entendu d'un de vous deux. C'est qu'il est tout à fait horrifiant que des spéculateurs puissent constituer des grandes sociétés productrices de biens et de services et qu'en plus de ça, des simples citoyens soient soumis, doivent se vendre et soit deviennent des sortes d'esclaves de ces entreprises. C'est quelque chose qui est monstrueux. Mais il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est que rien ne vous empêche de créer une coopérative. Dans notre société, certaines des plus grandes entreprises sont des coopératives. Rien ne vous empêche, si vous ne voulez pas obéir à un patron, de créer une start-up. Les plus grandes sociétés de notre temps ont été créées en l'espace de 10 ans comme des start-up. Alors, si cet argument, cette horreur, ce système monstrueux peut être fragilisé par une simple question d'enfant. Je ne dis pas que j'y ai réussi, mais je dis que je peux mettre en doute le côté monstrueux de système puisque chacun de nous peut créer une coopérative et chacun de nous peut lancer une start-up. Et visiblement, le système nous donne tout à fait les chances de réussir. Si on devait reprendre le million de choses que vous avez dites en 3 heures, point par point, je me demande si on ne devrait pas aussi s'apercevoir que la plupart de ces concepts extrêmement impressionnants sont en carton-pâte. Voilà, c'est vrai que j'ai été un peu plus long que je l'aurais voulu, mais c'est difficile quand on est d'accord sur rien d'être extrêmement bref. Merci pour ces suggestions, créer des coopératives et des start-up. Évidemment, il convient de préciser qu'il y a 2 start-up sur 10 qui réussissent. Hein. Petit rappel de fait, peut-être pas inutile. Ensuite, il vaut mieux avoir un capital de départ. Pas forcément. Non, alors ça, c'est une conférence. Je te renvoie à notre dossier, le culte de l'entrepreneur et des illusions dans lesquelles se jettent beaucoup de jeunes avant de déchanter, parce que c'est un parcours du combattant et une grande traversée du désert. Donc, j'amène un peu de réalisme à ce laïus, par ailleurs. Les scopes ont du mal à être rentables et à gagner de l'argent aussi, à se verser des salaires décents. Les coopératives, ils se donnent beaucoup de mal et c'est difficile pour eux. Je crois que c'est difficile pour une scope qui est une idée merveilleuse, évidemment, hein, avec l'autogestion, c'est une idée merveilleuse. Mais l'expérience montre que c'est difficile en milieu capitaliste concurrentiel, quand on a une petite structure, d'arriver à payer les gens et survivre économiquement, donc d'équilibrer les comptes sans s'endetter, sans se ruiner, en versant des salaires. Ça devrait être plus facile puisqu'il y a moins de vols. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord, Boris, sur l'idée. Je suis complètement d'accord avec vous. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile. Mais je l'observe. En tout cas, on sait qu'elles ne font pas énormément d'argent. Mais c'est vrai, l'idée de se prendre en main, d'être entrepreneurial, c'est très bien qu'elle soit dite ce soir, parce qu'on peut toujours agir, pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique et entrepreneurial, bien sûr. Nicolas. Bonsoir. Je suis très content. Alors, comme Boris, j'étais là aussi il y a 5 ans pour la conférence. J'étais même assis au même endroit, j'ai l'impression. Et je suis très content que vous soyez de retour sur scène parce que j'aime beaucoup vous écouter parler. Merci pour ton soutien. J'ai toujours une petite question à la fin parce que vous m'inspirez plein de choses. Du coup, moi, je suis très impliqué dans les monnaies locales en France, particulièrement à Lyon en ce moment, mais je soutiens aussi le Léman ici. J'invite tout le monde à prendre des Léman dans son porte-monnaie. Et en fait, je suis très content de voir que Étienne Chouard me parle très bien des monnaies locales. Et j'espère que Mireille sera enthousiaste un peu plus chaque année. Oui, je vais faire un effort. Mais c'est à nous de donner les bons arguments aussi. C'est qu'on sait bien que tu... voilà. En tout cas, moi, la raison pour laquelle je soutiens les monnaies locales, c'est parce qu'en tant que citoyen, parce que moi, je ne suis pas banquier, voilà, je n'ai pas de capital. Donc, en tant que citoyen, c'est un super moyen de rentrer par la petite porte de la finance par la monnaie. De créer une monnaie nous-mêmes où on définit les règles du jeu, parce qu'on comprend très vite que chaque monnaie a ses règles et que si on les définit nous-mêmes, ben, chaque monnaie a une incidence, hein, sur le monde. Voilà. Donc, et puis,
à Lyon, on est 2000 adhérents à l'association. Donc, quand on change les règles de la monnaie, ben, on doit décider ensemble. Donc, on apprend aussi la démocratie. Et je pense que ça, on en aura besoin, parce que apprendre à discuter, à débattre, c'est tout un art, c'est toute une posture individuelle et collective. Donc, on s'entraîne. Hein, voilà. Voilà. Et ma question, c'était par rapport... parce qu'on arrivait aux conclusions, cette fois-ci, encore une fois, comme la dernière fois, c'est que la gouvernance, comme disait Mirette, la gouvernance, c'est vraiment la question, c'est comment est-ce qu'on décide ensemble des règles, en fait, de notre société. Voilà. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que... Visiblement, il faut modifier la Constitution nous-mêmes, hein, et la maîtriser nous-mêmes. Du coup, est-ce qu'on peut arriver à ça par l'élection, par le canal qui est en place actuellement ? Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de voter encore pour les présidentielles en France là, cette année ? Et si oui, est-ce qu'il y a un candidat qui aura plus de chances de proposer de retourner le système une fois qu'il est au pouvoir ? Voilà. Je voulais merci. Aussi poser cette question à Étienne. Très bien. Pour Étienne, effectivement. Merci d'éclairage. À mon avis, ça fait 200 ans que les puissants ont rodé leur outil de domination qui est le faux suffrage universel. Et le contrôle du résultat de l'élection par l'appropriation des médias qui fabriquent l'opinion avec la plus grande majorité d'entre nous qui ne sommes pas politisés. Nous, on est politisés, on n'est presque pas sensibles à ce qui est écrit dans les médias, mais nous ne sommes pas le cas général. La plupart des gens regardent la télé le soir et votent comme on leur dit de voter, en fait. Donc j'attends rien de l'élection. Je me trompe peut-être, hein, mais je n'attends rien de l'élection. On t'a vu soutenir Jean-Luc Mélenchon. Alors, quand même, hein, oui, c'est bien, mais, de le mentionner. Oui, mais sans illusion, absolument. Ah, il y en a d'autres supporters de Jean-Luc Mélenchon dans la salle. Surtout que je vois Jean-Luc Mélenchon intégrer de plus en plus des idées que je défends depuis 10 ans. Donc évidemment que je trouve ça très réjouissant. Encore que très insatisfaisant, parce que je trouve que c'est bien qu'il intègre la constitution populaire dans son programme, ça c'est absolument décisif, mais il a beaucoup de mal à décider d'une dose satisfaisante du tirage au sort là-dedans. En fait, pendant un moment, il a défendu l'idée de 50%, et c'était déjà pas beaucoup, il n'y a pas de raison de garder 50% de l'Assemblée constituante en conflit d'intérêts, c'est-à-dire ayant intérêt à instituer leur puissance et notre impuissance. C'était déjà c'était quand même un sacré bémol. Et récemment, j'ai vu qu'ils sont en train d'opter pour un truc qui est pire encore, c'est-à-dire qu'ils vont permettre aux citoyens de décider eux-mêmes de la dose de tirage au sort. C'est-à-dire que quand tu vas voter, tu peux voter pour A, B, qui sont des candidats, aidés par les plus riches, évidemment, aidables, donc aidés. C'est ça l'idée. Le vice du suffrage universel, entre guillemets, c'est qu'on puisse aider les candidats. Si on peut aider les candidats, ceux qui ont les moyens d'aider vont aider, et c'est ça qui donne le pouvoir aux riches. Oui, parce qu'autrement, comment tes idées pourraient arriver un jour au pouvoir et pour pouvoir se mettre en pratique ? Tu fais avancer le débat. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est lui-même professionnel de la politique et il n'est pas seul. Il est entouré de gens qui sont bien. Hein. Quand on dit qu'ils sont en conflit d'intérêts, on ne dit pas du tout qu'ils sont malhonnêtes. Hein. C'est des gens qui sont vachement dévoués au bien commun. Leur programme est super. Hein. Le programme de Mélenchon, il est quand même vraiment, lisez-le, vous verrez, ça change tout. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils sont en conflit d'intérêts pour la partie du processus constituant. C'est-à-dire quand il s'agit d'instituer les contrôles dont ils vont souffrir, ils sont en conflit d'intérêts. Et le problème là, c'est que ce sont ceux qui sont en situation de changer le plus les choses. Et donc on devrait aider. Mais moi, je vous dis, sur le plan constituant, s'ils décident de permettre aux gens de dire eux-mêmes... Moi, je vote pour le tirage. Je vote pas pour A, B ou C. Je vote pour le tirage au sort. C'est ça qu'ils disent là. Ce sont les gens qui, en votant, vont dire moi, je veux le tirage au sort. Et si 20% des gens ont décidé ça, eh ben, il y a 20% de l'Assemblée constituante qu'on tirera au sort. Mais moi, je vois bien que dans l'état actuel de l'éducation populaire sur le tirage au sort, il n'y a pas 20% des gens qui vont voter pour le tirage au sort. Donc, il y a quoi, 1%, 2% qui vont voter pour ça. Et donc, ça ne va rien changer. Donc, l'Assemblée constituante va être élue parmi des candidats qu'on peut aider. Et on n'aura juste rien changé. Donc, si vous voulez, j'aime beaucoup écouter Mélenchon. Ça me donne du courage, de la joie. Je trouve que c'est un lutteur formidable.
Mais ça, ça me déçoit, quoi. Je veux dire, le fait qu'ils n'arrivent pas... Parce que c'est tellement décisif pour moi, la composition de l'Assemblée constituante. Parce que le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas de constituante. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une constituante, on reste dans la même prison. Donc c'est pas le fait de désigner une constituante qui va nous sortir du pétrin. C'est la composition de l'Assemblée constituante. Il faut se débarrasser du conflit d'intérêts dans cette Assemblée. Alors, s'ils ne veulent pas du tirage au sort, mais qu'ils mettent autre chose, mais s'ils mettent l'élection, on va avoir encore les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que vous allez avoir des professionnels de la politique. Alors, il dit... Ça, c'est vrai quand même, il faut quand même reconnaître. Il dit, ça ne sera pas des élus qui pourront être candidats à l'élection à l'Assemblée constituante. Mais ça pourra être des anciens élus, ou des amis d'élus, ou des enfants d'élus. Ou ça. Eh ouais, mais donc si c'est des candidats, c'est mort. Ça va être des gens qui veulent le pouvoir ou qui se voient en situation du pouvoir. C'est vrai que Mélenchon dit, ceux qui auront participé à l'Assemblée constituante ne pourront pas devenir... des gouvernants ou des législateurs ou des juges, enfin, pourront pas entrer dans les... Donc ça, c'est tout à fait ce que je défends depuis 10 ans. C'est déjà un très grand progrès. C'est déjà un progrès. Il va faire quand même d'autres choses. Mais je me fais pas d'illusions. Je crois vraiment que l'essentiel, ce serait que l'Assemblée soit populaire. Et populaire, ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait d'élection. Si c'est l'élection, ce sera pas une Assemblée populaire. Vous n'aurez pas d'ouvriers, vous n'aurez pas de noirs, vous n'aurez pas de pauvres. Donc vous aurez que des riches là-dedans. Que des riches. Si c'est une élection, vous aurez que des riches. Question suivante. Donc, est-ce que ça sert de voter ? Excuse-moi. Ouais. Mais si, est-ce que ça sert de voter ? Moi, je vais sûrement voter, mais sans illusion, quoi. Ne croyez pas que ça va changer quelque chose. Je pense malheureusement que ceux qui seront élus sont ceux qui passeront à la télé. Et regardez, vous voyez bien qu'à la télé, c'est Macron et Le Pen qui passent, donc vous allez avoir le choix entre pas de changement et pas de changement. Bonsoir, je m'appelle Bernard Dugas. Déjà, je voulais vous remercier parce que ce soir, j'ai l'impression d'avoir entendu un vrai débat avec un langage qui venait du cœur, un langage vrai, pas du langage de bois. Et donc ça, c'est, je voulais vraiment vous remercier. Le deuxième point, c'était sur un point technique presque, mais qui a une grande importance. Je vous ai entendu tous les deux parler de la création de monnaie par les banques, par le crédit. Mais ça, c'est juste la moitié de la création de la monnaie des banques. Si vous regardez le bilan des banques suisses, elles ont fait pour à peu près 1 000 milliards, 1 100 milliards de crédits, alors que globalement, elles ont un actif de 1 600. Ça veut dire qu'elles ont utilisé leur création monétaire pour acheter 500 ou 600 milliards, c'est-à-dire autant que le bilan de la banque centrale. Ça, c'est très important. Écoutez bien, parce que c'est complètement nouveau pour moi. Il m'a expliqué ça tout à l'heure. C'est super important. La création monétaire ne se voit pas entièrement dans les bilans. Dans les bilans, on voit que la fin. Alors que là, il est en train de parler de création monétaire. En cours d'année, pendant une journée, tu crées de la monnaie pour t'acheter un truc, et puis tu la détruis juste après, et ça apparaît pas du tout dans les bilans des banques. C'est super important, ça. Donc, comment fait une banque ? Par exemple, si elle veut spéculer sur en achetant 100 millions d'actions d'Apple, pour faire comme la BNS, eh ben, en fait, elle va inscrire sur le compte de l'acheteur, enfin du vendeur, elle va inscrire... je ne sais pas combien ça vaut, mais disons 100 millions. Donc, comme dette, c'est sa dette. Donc, ce n'est pas du vrai argent, c'est sa dette, mais qui est vue comme de l'argent par le processeur du compte. Elle va acheter ses actions, elle va les revendre après plus cher. Quand elle vend, elle va recevoir de l'argent sur son compte, donc sur sa dette. Si ça s'est apprécié seulement. Sinon, oui, mais en général, l'argent. Elle le fait pour quand ça s'apprécie. Enfin, elle ne sait jamais. Non, ça peut se faire en 10 secondes. Hein. C'est du. Oui. Là, je suis en train de parler. En 10 secondes, elle a pu créer 100 millions, revendre un peu plus cher, récupérer 110 millions, et ensuite, dans son bilan, on va avoir comme bénéfice 10 millions. En fait, elle aura quand même créé 100 millions qui auront été détruits aussitôt, et on ne le saura jamais à la fin de l'année. Parce que ce n'est pas visible dans les comptes, parce que ça ne passe pas dans le compte d'exploitation. Et donc, elle ne paiera jamais d'impôts sur la monnaie qu'elle crée en fait, de cette manière-là. Et la BNS, d'ailleurs, c'est aussi un problème. Quand la BNS crée de la monnaie, en fait, ça ne passe pas dans son bénéfice, et donc, ce n'est pas redistribué au canton. Donc, on a un vrai problème. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est juste une indication. Je ne veux pas prendre trop de temps. Il y a un deuxième point qui me paraît encore plus important. C'est cette histoire de lien entre monnaie, qui est en fait le droit de travailler, et vote. C'est-à-dire la décision populaire, la décision démocratique. Quand le peuple suisse a voté sur le tunnel du Gotthard, admettons, je ne me souviens plus exactement du prix, mais disons que c'était 8 milliards, ça veut dire que comme il y a 8 millions d'habitants en Suisse, ça veut dire que c'est comme si chaque vote suisse avait attribué 1 000 francs au projet.
Et on peut très bien imaginer que la création monétaire de l'année, disons la BNS décide, oh, cette année je crée 80 milliards, je donne à distribuer, alors je ne sais plus, 80 milliards divisé par 1 million, ça fait 10 000 francs à chaque Suisse qui n'a pas le droit de dépenser pour lui. Mais en fait, il va avoir le droit de voter cette année-là pour 10 000 francs de projet. S'il met 1 000 francs sur le Gothard, il peut encore mettre 9 000 francs sur les autres projets. C'est une sorte de crowdfunding populaire sur la création monétaire du pays. Et là, vous résolvez à la fois le problème démocratique et le problème de création monétaire, parce que c'est ceux qui sont, comme vous disiez, que la Banque nationale ne peut pas connaître les besoins. Mais en fait, les banques privées non plus. En plus, elles payent les salaires avec, donc on vous demande bien pourquoi elles ont le droit de faire ça. Elles répondent à des demandes individuelles. Et bien, celui qui est le mieux placé pour décider de l'utilisation de la création monétaire de l'année, c'est le citoyen. Il ne peut pas l'utiliser pour lui-même, mais il peut décider pour quel projet il veut l'attribuer. Peut-être pour des grands projets fédéraux, mais aussi peut-être pour des start-up dans sa commune. Parce que, contrairement à ce que disait monsieur, quand on fait des start-up, et bien, on n'arrive pas à trouver de financement quand les projets sont intéressants pour tout le monde. Les projets qui sont financés, les projets start-up qui sont financés, c'est ceux qui sont intéressants pour l'investisseur, pas ceux qui sont investissants et qui sont intéressants pour le peuple. Merci beaucoup. C'est très bien, puis c'est un peu l'impôt inversé, quoi. C'est l'impôt à l'envers. Non, mais en réalité, les caisses de pension suisses, elles ne veulent pas investir dans les start-up parce qu'elles estiment qu'elles mettent l'argent des retraites en danger en allant sur les start-up. Donc, ce n'est pas toujours évident d'allouer vraiment des fonds aux start-up, malheureusement, surtout en tout cas avec les fonds des retraites. Pour l'instant, on ne progresse pas là-dessus. Concernant les banques qui créent et qui achètent dans la même minute qu'ils revendent, j'ai envie de dire que tout le système financier fonctionne comme ça. Tous les traders, les trading à haute fréquence, je veux dire, ça, c'est un truc, c'est le trading, en fait, les banques d'affaires et tout le monde de la finance fonctionne comme ça. On crée un actif, on l'investit et après, il n'y a que la différence de l'investissement qui s'affiche. Après, est-ce que les autorités ne savent pas que les banques elles-mêmes, les banques commerciales, recourent à ça? Il y a une législation sur le trading pour compte propre. Il est assez réprimé actuellement. On n'a pas le droit de créer ce qu'on appelle un compte nostro, ça veut dire un compte pour soi-même, pour la banque, pour spéculer dessus. Il y a des réglementations qui concernent ça. Alors, si les banques elles font ça et que personne ne s'en rend compte, ce serait un peu bizarre. Non, je pense que c'est quand même connu et c'est évident. Mais en fait, la banque, si elle créait tout d'un coup 1 000 milliards et puis qu'elle achetait puis qu'elle revendait, ça se saurait parce que tous les marchés s'effondreraient à l'instant, quoi, si elle avait cet impact-là. Donc elle est limitée dans sa capacité de créer de la monnaie fictive pour trader et récupérer l'argent. Je ne pense pas que ça se passe comme ça dans un environnement complètement sauvage et dérégulé. C'est simplement le trading, c'est création instantanée d'un avoir, investissement de cet avoir et après apparition de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Je veux dire, ça c'est bon, on va pas découvrir le trading, quoi. Est-ce que la seule solution c'est pas de nationaliser les banques et de faire de tous ces gens des fonctionnaires sous contrôle? Oui, mais Frédéric Lordon, là, il y a en 2007 dans Le Monde diplomatique, oui, une pleine page dans Le Monde diplomatique, disait on supprime la bourse. Alors tout ce qu'on dit là, ce serait de supprimer la bourse, en gros. Donc on a été plusieurs à essayer d'explorer l'idée que la bourse cesserait d'exister, quoi. On pourrait plus avoir un marché des capitaux où la dette des gouvernements serait maltraitée, rabaissée, démolie, dévalorisée, où on pourrait avoir du trading et de la spéculation, et puis on ferait disparaître la bourse. Et puis, si on prend ce problème par tous les sens, c'est très difficile d'arriver à concevoir un monde où toute cette capitalisation boursière, alors je ne sais pas combien on a maintenant de capitalisation boursière, mais on est de l'ordre de centaines de milliers de milliards d'entreprises cotées en bourse. Tout d'un coup, tout ce capital qui est investi dans toutes ces entreprises, il disparaît. Mais quand il y a une crise comme 2008, c'est ce qui se passe, non ? C'est pas ce qui se passe en 2008. T'as pas tout qui vaut rien d'un coup. En 2008, t'as un indice qui fait comme ça, qui monte comme ça et qui redescend, mais t'as toujours une bourse qui existe. Et puis les banques centrales peuvent même la faire remonter artificiellement et en trichant. Mais là, tu fais disparaître la bourse. Alors ça, c'est... Moi, je suis incapable personnellement de concevoir... D'imaginer un monde sans bourse. Non, si, de l'imaginer, oui, mais de réaliser voir les effets, les conséquences. Comment ça va se passer concrètement au moment de la transition? Oui, parce que si tu as une entreprise où tu as coté une partie de ton capital, tu as levé donc des fonds auprès d'investisseurs, si tu es un gouvernement qui a aussi des investisseurs dans sa dette qui est sur les marchés des capitaux,
Je ne sais pas comment tu fais pour en sortir. Il faudrait que tout le monde rembourse tout. Ou pas du tout. Moi, tout le monde vend ses actions et ses obligations et les produits dérivés qui sont encore plus phénoménaux, qui sont encore par-dessus les actions et les obligations. Tout ça doit être vendu, remboursé. Et puis après, on ferme la bourse et on dit, c'est fini. À partir de maintenant, on se prête entre voisins, entre amis, entre collègues. On se prête de l'argent comme ça, mais c'est fini. Il n'y a plus de bourse. Le mythe qui est entretenu pour la bourse, c'est que la bourse sert à financer les activités des entreprises. Les entreprises qui ont besoin d'argent vont trouver à la bourse l'argent qui est nécessaire. Oui, pour leur expansion même. On peut même dire que certaines multinationales ont pu croître grâce à la bourse. Non, tu n'es même pas d'accord avec ça. Je pense que les plus grandes entreprises se sont appuyées sur les États dont elles ont bénéficié des commandes publiques pour construire des voies ferrées, des choses comme ça. Ça, c'est sûr. Et un cadre légal qui les a favorisées. Eh bien, évidemment, bien absolument. Bien sûr. Bernard Friot dit qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui te pique du pognon en te versant un bas salaire et en gardant la différence. C'est un ami de Bernard Dugas, là, je crois. Ouais. Non, c'est pas un ami, Bernard Friot ? Je ne sais pas. Mais il dit, un investisseur, c'est un mec qui pique ton pognon en te versant pas le salaire qu'il te doit, et ensuite, il te le prête. Si on arrêtait avec les dividendes, et on les verse dans des caisses, comme on verse dans des caisses de sécurité sociale, on les verse dans des caisses d'investissement, les entreprises auront deux fois plus de fonds à investir qu'avec les dividendes, parce qu'en fait, l'argent mis dans les dividendes n'est pas investi comme il faut. Le taux d'investissement est dramatiquement bas. En tout cas, en France, dramatiquement bas. Et d'accord. En tout cas, aujourd'hui... Le ruissellement là, qui vient, tu sais, quand on dit on va verser des dividendes... Même le FMI, maintenant, ne peut plus dire que les riches font de l'argent, ça ruisselle vers le bas de la société. Même le FMI ne l'affirme plus. Nous n'avons pas besoin de l'argent des riches pour financer nos activités. Avec l'argent que nous créons, la richesse que nous créons, nous pouvons prélever sur les salaires comme nous prélevons pour financer la sécurité sociale, financer les retraites, financer les indemnités de chômage. Nous pourrions très bien financer l'investissement et nous passer des investisseurs qui sont des parasites. Et on va nous dire, mais ils vont s'en aller. Mais qu'ils s'en aillent, c'est très bien, on n'a pas besoin d'eux. C'est notre salaire qui serait en partie investi dans les projets. Ouais, absolument, voilà. Dans des caisses de mutualisation, avec des caisses qui détermineraient qu'est-ce qui est rentable, pas rentable. Ouais. Et on socialiserait l'investissement comme nous avons socialisé la retraite, comme nous avons socialisé l'indemnisation du chômage, de la maladie. Et nous socialiserions... l'investissement. En nous débarrassant. Il faudrait trouver les moyens, les dividendes sont interdits. Faire un livre comme ça avec tous les modèles alternatifs de financement des entreprises. Ces entreprises, quand même, c'est logique qu'elles aient quand même besoin d'avoir des fonds de roulement. Mais tous les moyens alternatifs à la bourse, ce serait extrêmement créatif de réfléchir à toutes les solutions. Ça consisterait à se débarrasser du coût du capital, parce que dans les journaux de la banque. On ne parle que des coûts du travail et on ne parle pas du coût du capital, c'est-à-dire des actionnaires qui sont des parasites, qui sont des frelons oisifs, comme on les appelait pendant la Révolution française. C'est-à-dire des gens qui ne font rien et qui font tout ce qu'ils peuvent pour avoir des bas salaires, pour que nous ayons des bas salaires, pour qu'eux aient des gros dividendes. Mais c'est complètement parasitaire. Absolument parasitaire, un actionnaire, non ? À partir du moment où tu as eu des ultra-riches qui possèdent... ils sont 1%, puis ils possèdent 90% de la fortune mondiale et des choses, des proportions aussi énormes et ridicules. Ça devient le capital qu'ils ont et ils leur procurent un rendement tel et des dividendes tels que ça devient exponentiel, quoi. Ça devient parabolique. Et c'est sans rapport avec le bien commun. C'est même contradictoire, violemment contradictoire avec l'intérêt général. Voilà, ça commence à ne plus du tout favoriser les classes moyennes, ni à amener quoi. Du coup, les classes moyennes elles-mêmes, elles se retournent contre les plus riches. Les 10% les plus riches se retournent contre les 1% les plus riches. Et les 1% les plus riches se retournent contre les 0,1% les plus riches parce que les écarts deviennent tellement paraboliques que même les 1%, ils sont frustrés maintenant par rapport aux 0,1%. Donc, c'est pas tenable. C'est pas tenable. D'autres questions, monsieur, devant ? Ah, madame. Ah, Magali, bien sûr. Non, excusez-moi. Moi, je voudrais juste revenir sur les élections françaises. Oui. Parce que donc, j'étais la candidate de Mélenchon pour les Français de Suisse la précédente législature. Oui. Et à ma connaissance, actuellement, il n'y a que Marine Le Pen qui préconise formellement une sortie immédiate de l'euro. C'est-à-dire que Mélenchon... Et Asselineau aussi. Pardon ? Il y a Asselineau aussi. Oui, d'accord. Asselineau, je veux dire, parmi les candidats qui comptent, qui ont je veux quand même bien préciser...
Je voulais bien préciser que Jean-Luc Mélenchon voulait quand même faire une ultime tentative pour essayer d'obtenir que la Banque Centrale Européenne ait le droit de prêter directement aux États plutôt qu'aux banques. Il a dit, bon, c'est clair que si vraiment on n'arrive pas à faire un front du Sud, on n'arrive pas à faire plier Mme Merkel, à ce moment-là, on envisagera éventuellement la sortie de l'euro. Mais je voulais le dire parce que, bon, encore une fois, je pense qu'il n'a pas... Mais Magali, ça vous fait pas beaucoup d'espoir pour... d'être élu, et il le sait, mais simplement pour mettre les choses au point, disons, malheureusement, pour une sortie immédiate de l'euro, oui, il y a parce quand que même parmi les candidats. Ça vous fait pas pencher pour Marine Le Pen quand même. Non, mais justement, je voulais dire que malheureusement, parmi les candidats potentiels qui ont quand même une chance sérieuse d'être au deuxième tour, bien, il y a qu'elle qui préconise une sortie immédiate. Qui est porteuse de ce projet. C'est tout. Étienne, oui, c'est vrai. Ce qui me fait assez mal avec le programme de Jean-Luc Mélenchon sur ce point, c'est que ça ressemble beaucoup au programme de Tsipras, quoi. C'est-à-dire que vraiment, prétendre qu'on peut améliorer les choses en restant dans l'Union européenne, c'est juste une arnaque, quoi. Il faut sortir de l'Union européenne. Et ils ne sont pas assez fermes et francs là-dessus, les gens de Mélenchon, je trouve. Il faut sortir de l'Union européenne. Et nous dire qu'on va négocier, ça ressemble... J'ai peur d'être si précisé, quoi. Mm-hmm. Le Pen, j'ai l'impression qu'elle dit qu'elle veut sortir de l'Union européenne, mais si j'ai bien compris, elle ne l'écrit pas dans le programme. Ce n'est pas écrit dans le programme qu'elle veut sortir de l'Union européenne. Elle le dit, mais elle ne l'écrit pas. C'est ce que dit Asselineau, en tout cas. À mon avis, le seul qui veut sortir vraiment, qui en a fait un axe central, et je crois qu'il a raison, de l'Union européenne, c'est Asselineau. Et pour cette raison... C'est ce que je voulais dire. Pour cette raison, il est complètement divisé par les médias, et donc il passe à zéro. Il ne passe pas dans les médias. Mais c'est les médias, je rappelle que c'est... De toute façon... C'est les banquiers, hein, c'est les milliardaires. Donc eux, les banquiers ont construit l'Union européenne comme outil anticommuniste, un outil antisocialiste, antidémocratique. Donc c'est normal que les médias qu'ils ont achetés... censure au dernier degré, le seul bonhomme qui veut sortir de l'Union européenne. Si nous étions cohérents, je pense que nous voterions tous, y compris Mélenchon, pour Asselineau. Très bien, monsieur. Parce qu'il faut sortir de l'Union européenne. Si on ne sort pas de l'Union européenne, il y en a deux ou trois questions, et puis on arrête parce qu'on vous retient Il va avoir 1% parce qu'il passe à 1% dans les médias. Oui, c'est... Oui, je me présente. Oui, monsieur. Je me présente, Gérard Leiss, retraité avec une taille fine. Et là, j'approuve exactement M. Chouard en parlant de M. Asselineau. Comment se fait-il que tout ce qu'on a vu à l'écran de télévision, c'est tous des gens qui sont connus, qu'on connaît. M. Asselineau, il ne passe jamais à l'antenne, ou très, 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 très rarement. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas connu, hein, c'est parce qu'il veut sortir de l'Union européenne. Voilà. Et quand on a lu le 20 minutes, là, qu'on avait vu les photos et tout ça, sur sa photo à lui, il y avait une pancarte de publicité. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. Bon, je ne voulais pas venir là, mais comme madame disait que Le Pen, est comme les autres, hein, de toute façon. Le seul qui veut sortir de l'Europe, c'est Asselineau, parce que lui, il parle de l'article 50 de la Constitution européenne. Oui. Tandis que les autres, ils n'ont jamais parlé de ça. Oui. Ceci dit, ce n'est sûrement pas une panacée, parce que si tu demandes la permission aux autres comment sortir, tu vas voir que ça ne va pas être si simple. Hein. L'Angleterre va essayer d'utiliser l'article 50, on va voir que ce n'est pas si simple. Il y a une autre façon de sortir de l'Union européenne, c'est de dénoncer les traités purement et simplement, du jour au lendemain, tu te barres. Enfin, à mon avis, De Gaulle, il n'aurait pas appliqué l'article 50. Hein. Il se serait barré en dénonçant. On peut dénoncer les traités, simplement. Voilà. Tous les traités du monde ont été dénoncés. Tous. Enfin, sauf ceux qui ne l'ont pas encore été. Mais les traités finissent toujours par être dénoncés. Il faut dédramatiser ce truc-là. Une fois que tu n'es plus d'accord, ben voilà, tu t'en vas. Et l'article 50, j'ai l'impression, un chemin qui va nous faire passer sous les fourches codines de gens qui ne nous veulent pas de bien et qui vont permettre à tous ceux qui vont organiser... Qui ont envie d'organiser la débâcle, de l'organiser. Alors qu'il faut que ce soit rapide, quoi. Il faut sortir, à mon avis, sans appliquer l'article 50. Il n'y a pas besoin, d'être... Bon, ma question, je voulais juste répondre à madame à cause de Le Pen. Oui. Bon, autre chose, moi, c'était sur le niveau qu'on avait déjà parlé au début, au niveau de l'or. Oui. Il me semble que Kadhafi voulait faire une monnaie africaine. Le dinar basé or. Sur l'or. Voilà. Le dinar or, exactement. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, on sait tous. Hein. Voilà. Voilà, il a capoté. C'est juste. Et on l'a fait capoter, quoi.
Et puis après, il y a autre chose. Comment ça se fait que l'Allemagne, ces temps-ci, ramène des millions, des tonnes d'or des États-Unis et de Paris? Alors, elle a voulu ramener des... Ils ramènent. Ils les ramènent, mais ils n'arrivent pas. Pardon? Ils n'arrivent pas à ramener des États-Unis plus de... combien de tonnes? 7 tonnes? Il y a quelque chose comme ça, oui. Mais de toute façon, l'Allemagne veut son or, parce qu'elle l'avait mis pendant la guerre froide, elle l'a mis aux États-Unis et à Paris. Non, le... Il me semble. Oui. Plusieurs tonnes. Plusieurs tonnes, une vingtaine de tonnes. Mais bref, Tonnes des États-Unis et de Paris aussi. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à récupérer l'or qu'ils ont à la Federal Reserve de New York. Voilà. Paris aussi traîne des pieds avec la Bundesbank. Ouais. Voilà. Et du coup, en Suisse, on a voulu savoir, nous, notre or, il était placé où? Et je crois qu'on en a en Angleterre. En Angleterre et au Canada. Merci de me le rappeler, parce que ça, c'est important aussi que si c'est aux États-Unis, c'est potentiellement problématique parce qu'on n'est pas sûr qu'il est encore là. On n'a pas la preuve. Justement. Parce que le gouvernement allemand est allé, on ne les a pas laissés aller voir les réserves, donc. Ils ont dû repartir, ils ont repris l'avion sans avoir vu, constater l'existence. D'accord. Les Suisses ont été bêtes de vendre les 1500 tonnes, mais par chance, ces 1500 tonnes étaient aux États-Unis, parce que sinon, ils ne les auraient jamais récupérées. Au moins, ils ont récupéré des francs suisses en échange. C'est déjà ça. Merci. On peut avoir madame, là, pour la question suivante. Monsieur, vous voulez rajouter quelque chose, parce que... Oui, je n'avais pas tout à fait fini. Rapidement, parce que... Voilà. Non, en parlant de M. Asselineau, c'est un monsieur qui est très... cultivé. Cultivé, scrupuleux. Il est très scrupuleux sur les traités. Oui. Alors, ma dernière question, c'est ça. Est-ce que, puisqu'il veut tellement mettre les traités en application, comment se fait-il qu'il ne parle jamais de la Savoie, un pays annexé et qui a des traités? Alors là... Je me pose la question. Je voterai pour lui, mais s'il ne respecte pas le traité de la Savoie, enfin, quand je parle de Savoie, c'est Haute-Savoie et Savoie. Hein. D'accord. Voilà. Alors, comment se fait-il que là, il n'en parle jamais? Est-ce que ce n'est pas imaginable qu'il ne connaisse pas le sujet? Moi, je l'ai découvert, mais par accident, quoi. Hein. Oui. Personne n'est au courant de ce traité. Hein. Il est au courant, Asselineau? Est-ce que madame... une dernière question, hein? Oui. Alors bonjour Mirette. Rebonjour Mirette et Étienne. Je voulais apporter des commentaires et des compléments aussi. Donc je fais partie de Trublion en question, les AA+, et d'autres trucs aussi. Et puis d'ailleurs, j'invite à tout le monde à acheter une action. Hein. Plus on est nombreux et plus notre impact sera grand. J'ai oublié de parler avec toi, Étienne, de l'initiative Génomie en Suisse qui est en train de se mettre en place pour tirer au sort les parlementaires au niveau fédéral. Ça, c'est une initiative qui est intéressante, qui va dans le sens du tirage au sort. Il y a aussi Thomas Wroblewski qui m'a fait un petit message Facebook tout à l'heure pour me demander d'avoir votre avis sur la modernocratie, c'est son mouvement, c'est ce qu'il est en train de mettre en place, et le mouvement du vote blanc qui en fait permettrait d'invalider les initiatives s'il y a une quantité de vote blanc qui est trop importante en fait. Donc je voulais savoir si vous connaissiez ces deux initiatives, peut-être Mirette tu connais? Non, la modérocratie. Modernocratie. Ça, c'est un système pour collecter les votes et puis informer sur les initiatives de façon sur Internet, pour que ça soit plus rapide. Et puis le mouvement du vote blanc, c'est pour donner un poids au vote blanc. Au vote blanc pour sanctionner en fait la participation réelle. Pour invalider les choses qui n'ont pas assez de suffrages, qui ne reçoivent pas assez de votes. Oui. Et puis je voulais aussi commenter deux choses. Par rapport à l'endettement et au remboursement des dettes publiques, en fait, on a occulté un petit peu le volet des intérêts, parce que quand on s'endette auprès des marchés et auprès des banques commerciales, il y a des intérêts qui sont à rembourser et qui font partie du remboursement. Et d'ailleurs, en 2014, en France, les impôts ont servi intégralement à rembourser, à payer les intérêts aux financiers. C'était 46 milliards, tu m'as dit. Et c'était la somme exacte des intérêts à payer. Donc ça n'a pas du tout financé les services publics. Et ça, c'est un problème. Ensuite, il y a eu... Étienne, tu en avais parlé dans une vidéo. Il y a eu des remboursements de dettes aux États-Unis qui ont juste précédé des crises majeures. Il y en a eu 6. J'ai même les dates en tête. C'était 1819, 37, 57, 73, 93 et 1929. Et il y a eu juste une récession énorme
derrière. Donc, ce n'est pas la solution, à mon avis, de rembourser les dettes. Il faut annuler les dettes à la manière du CADTM. C'est ça. Parce que si la monnaie est détruite. Et parce du que coup, quand c'est... un État rembourse la monnaie, il détruit de la monnaie, il en détruit beaucoup trop, et c'est la monnaie manque encore au corps social qui plonge dans le chômage de masse. Exactement. Et c'est systématique. Je ne veux pas trop rallonger, mais l'idée qu'il faille se surendetter, puis après surtout pas rembourser, c'est un très mauvais signal donné à la culture économique d'un pays, que c'est ça ce qu'il faut faire. Mais justement, il n'y a plus besoin de s'endetter quand on créera la monnaie, donc ça ira tout seul. Alors, si le système économique prend en compte que l'endettement n'est jamais remboursé, l'endettement ne sera plus possible. Parce que exactement, c'est ce qu'on veut. On ne veut plus d'endettement. C'est du vol. On ne veut plus d'endettement, on veut créer la monnaie pour ce qui nous est nécessaire. Initialement, puis après refuser de rembourser, ça s'appelle du vol. Ou alors, ça s'appelle une complicité avec les banques qui sont les mêmes, qui sont copains, et que tout le monde mange au même... C'est le gouvernement. Mais le gouvernement Pompidou, il travaille chez Rothschild, hein, par exemple. D'accord. C'est lui qui a fait la loi qui permettait d'enlever le pouvoir de la Banque centrale, de créer la monnaie. D'accord, mais le gouvernement a utilisé cet argent ou il ne l'a pas utilisé ? Il a utilisé cet argent. Alors ça, je ne sais pas. À l'époque, j'avais un an. Je veux dire, tout gouvernement qui s'endette, il utilise l'argent. C'est comme moi. Oui, mais alors à quoi il est utilisé ? C'est ça qui est intéressant. Pour le donner, est-ce qu'il en est pour le bien commun ou est-ce qu'il est... Voilà, c'est ça. C'est plutôt pour arroser tous les copains, quoi. Tout à fait. D'accord. Et par des intérêts, oui. C'est ça. Alors, par rapport à l'inflation, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'inflation en Suisse et donc le pouvoir d'achat n'était pas franchement en danger. Non. Sauf que l'inflation, elle n'est pas calculée sur les assurances maladies, là, qui ont augmenté de 36% en deux ans, ni sur les loyers, ni sur d'autres. Moi, je ne connais pas exactement les critères. Merci de le relever. Et puis, du coup, les taux d'inflation en Suisse, en Europe, aux États-Unis sont calculés de manière vraiment tout à fait contestable. Ils ne prennent juste pas en compte tout ce qui augmente. Ils prennent en compte les choses les plus chères qui augmentent, on ne les prend pas en compte. Ils pondèrent certains facteurs pour les rendre insignifiants alors qu'ils pèsent beaucoup plus dans notre revenu, dans notre dépense. Et donc, on n'a pas des taux d'inflation qui sont fiables, qui représentent la réalité. Donc, on ne peut pas se fier à ça pour estimer le pouvoir d'achat des gens, en fait. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je vous invite aussi tous les deux à participer au jeu de la... Étienne, il connaît, mais Mirette, je ne sais pas si tu connais le jeu de la monnaie qu'on a organisé plusieurs fois avec différents systèmes d'échange de transactions. D'accord. Et, bon, on en parlera peut-être dans un autre débat. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces remarques. Merci beaucoup. Hein. C'est super. Hein. Nous aussi, on apprend beaucoup. Hein. Dans ces conférences, on apprend beaucoup, pas vrai ? Moi, c'est vraiment très intéressant. Merci. D'autres, alors peut-être des remarques finales, Étienne, on va arrêter parce que ça fait on vous retient depuis trop longtemps. Il y a encore des questions. Alors je ne sais pas, Étienne, qu'est-ce que tu dis ? On prend une, deux, on doit arrêter à un moment donné quand même, monsieur. Alors il y a aussi monsieur derrière, mais après c'est fini, d'accord ? Parce que on va vous quand fatiguer. Quand vous dites quand un débiteur, s'il vous plaît. Moi je m'appelle Philippe. Quand on dit qu'un débiteur ne rembourse pas sa dette, c'est du vol. Je suis bien d'accord, mais il faut donner aussi la possibilité de rembourser la dette. Pas faire comme avec l'Union européenne a fait avec la Grèce, que tous les systèmes qui étaient proposés pour rembourser la dette, que ce soit le moins douloureux possible pour le peuple, ont été simplement refusés. Ils ont demandé des taux zéro d'intérêt avec un rééchelonnement. Ça a été refusé. Ils ont dit oui, mais l'Allemagne pourrait faire un effort vu que, par contre, l'Allemagne n'a pas payé sa dette de guerre envers la Grèce. Donc ils auraient pu faire un effort de ça ce côté-là. Aussi, c'est du vol. Donc j'entends... Non, bien sûr. Non, la Grèce, c'est clairement... sa dette a été vampirisée initialement. Et donc, après, on lui demande de payer à des conditions normales. Ça, c'est pas possible. On avait consacré 2 heures il y a 5 ans justement sur ce sujet-là pour dire que ces pays, ils sont pas dans des conditions normales de remboursement de dette. Leur dette, elle a été attaquée, elle a été dévalorisée. Les taux d'intérêt montaient à 25%. C'était de la folie. Donc, c'était juste impossible d'être solvable dans ces conditions-là. S'il y a des conditions de marché normales où la dette elle a un taux d'intérêt qui est bas, ce n'est pas effectivement des taux usuriers qui sont obligés de payer aux créanciers, que ce soit des banques ou d'autres pays, hein, parce que dans le cas de la Grèce, ce n'est pas que des banques, hein, c'est des pays
qui sont l'Allemagne et tout, qui sont créanciers de la Grèce. Et donc, non, ce n'était pas des conditions raisonnables pour lui demander de rembourser du tout. Par contre, moi, je parle juste en général que l'idée de se dire qu'on est surendetté individuellement au niveau d'un État et puis après, on dit non, mais il faut effacer la dette. C'est... Qui ça ? Ah, celui qui prête, c'est un voleur. Ça, c'est intéressant. Alors, il ne faut pas accepter le prêt. Alors, ça dépend dans quel sens. Non, merci, je ne veux pas de votre argent. Gardez-le. Mais il ne faut pas prendre l'argent, l'utiliser, le dépenser, puis après dire jamais je vais rembourser, puis je suis dans mon bon droit. Il y a excusez-moi, un petit problème philosophique là. Alors, on ne va pas lancer tout un débat maintenant. Justement, là-dessus, qu'un pays ne rembourserait pas, ce serait peut-être pas du vol si on considère le fait que la banque prête en ayant conscience de la solvabilité du pays en question, et en fonction de ce calcul très savant, il fixe un taux qui est nettement plus élevé pour la Grèce ou pour un pays qui est potentiellement en défaut de paiement. Donc, il a calculé le fait que le pays en question puisse être en défaut. Donc il le pénalise avec un taux d'intérêt pénalisant, c'est exactement vrai. Juste. Alors, le prêteur, effectivement, il est trop cupide. On peut le punir, on peut refuser de rembourser à des conditions qui sont... Surtout quand il a créé la monnaie qu'il prêtait. D'ailleurs, la question même de faire des intérêts à des gouvernements, on en a parlé précédemment, c'est vrai qu'un gouvernement devrait pouvoir s'endetter sans payer d'intérêts. Et il devrait le faire auprès de son propre trésor national, comme avant la loi Rothschild, etc. Donc tout ça, on est tous d'accord, évidemment, dessus. On abuse de votre patience, vraiment. Une toute ultime question. Parce qu'il y avait le monsieur au fond, là-bas. Et après, on termine. Alexandre, on est d'accord, après on vous passe la parole et vous nous empêchez de continuer. Je ne sais pas si Étienne est d'accord avec cette méthode autoritaire. Bonsoir, je m'appelle Alexis, je suis citoyen français. Ma question s'adresse à vous, Étienne. Vous m'entendez bien ? Vous pouvez redire votre prénom ? Je m'appelle Alexis, je suis donc citoyen français. Ma question s'adresse à Étienne Choix. Vous me posez un petit peu problème, en fait, parce que vous êtes très enthousiaste quand vous décrivez ce qu'il faudrait faire, notamment pour passer d'un système du suffrage universel à un système de tirage au sort citoyen, par exemple. Et vous le devenez beaucoup moins, voire fataliste, quand il s'agit d'expliquer comment on va faire cette transition-là. Et en même temps, vous nous parlez d'ateliers constituants. On apprend à le faire, donc j'ai l'impression que vous êtes sur le pied de guerre, vous êtes prêts. Mais comment on passe de l'un à l'autre ? C'est quoi votre idée à vous ? Comment transformer l'essai ? Je t'ai posé la même question, Brice. Et je termine rapidement. Il y a plusieurs solutions. Soit on fait la révolution, on sait ce que ça donne. Donc je pense que ce n'est pas forcément la voie à suivre. Soit on parle de despote éclairé. Et par définition, le meilleur maître, c'est celui qui ne veut pas l'être. Donc on est à nouveau dans un paradoxe. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Choix ? C'est quoi ? Parce que au bout d'un moment, ça fait longtemps que vous faites des conférences, ça fait très longtemps que je vous suis et que je vous écoute, j'ai l'impression de bien vous connaître. Mais à un moment donné, votre discours, ça prendra plus. Parce que lanceur d'alerte, c'est bien, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi votre idée à vous ? Alors peut-être qu'Étienne, il est le temps que tu te lances en politique, alors. Non. Je suis en politique complètement, moi, et j'arrête pas, je suis complètement en politique, simplement, je crois pas du tout aux despotes éclairés, quoi, je suis désolé, même moi, méfiez-vous de moi, quoi, si j'ai le pouvoir, je vais en abuser, non, c'est déconnant, vous serez pas sauvés par un bonhomme, le fait que ça avance pas assez vite, excusez-moi, c'est pas ma faute. Moi, je fais tout ce que je peux. Donc, je vais de ville en ville. J'arrête pas. Je passe toute ma vie à ça. Et si ça n'avance pas, c'est vrai que c'est parce que j'ai pas encore trouvé, sûrement, les mots qu'il faut pour qu'on soit plus nombreux, plus vite. Mais l'idée que je défends, elle est incompatible avec l'idée, avec le projet de me présenter comme le sauveur, puisque je prétends le contraire. Donc c'est complètement, je serais incohérent si je faisais ça. Donc l'idée que je défends, c'est que c'est pas le tirage au sort qui va nous sauver, c'est pas la constitution qui va nous sauver. Tout ça, c'est des outils dont on va sûrement avoir besoin. Ce qui va nous sauver, c'est-à-dire nous permettre de nous émanciper du capitalisme et des différentes tyrannies, c'est le fait de devenir constituant. Je devrais m'arrêter de parler là, parce que là, j'ai dit, c'est 0% de matière grasse, on est à l'os.
nous sommes des enfants électeurs. Les électeurs enfants, c'est synonyme. Enfant, ça veut dire qu'il n'y a pas le droit à la parole, étymologiquement. Si on veut devenir citoyen, il faut qu'on s'en occupe nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons capables d'instituer nous-mêmes notre puissance politique. Donc, mais ça, ça se décrète pas en disant « je suis capable », ça va être un petit peu plus compliqué, pas beaucoup plus compliqué, mais un petit peu plus compliqué, il va falloir s'entraîner et être nombreux à s'entraîner, parce que si on est peu nombreux, il va falloir qu'un petit nombre impose ce qu'il a compris au plus grand nombre, et ça, ça va être un bain de sang. Bah, historiquement, c'est toujours un bain de sang. Quand une minorité très bien intentionnée se met en tête... ma voix est en train de péter, mais j'ai la crève. Si une minorité se met en tête d'imposer à la majorité quoi que ce soit, ben la majorité, elle va pas être d'accord et ça va mal se finir. Je suis bien d'accord avec vous. Donc je suggère que le seul moyen pacifique, décisif, prometteur, révolutionnaire, anticapitaliste, antifasciste, le seul moyen de nous émanciper réellement du merdier dans lequel on est, c'est de devenir constituant. Mais donc, ça veut dire que ça dépend pas de moi, ça dépend de nous tous. Est-ce que nous sommes capables de nous passer le mot entre nous, de proche en proche, pour ne plus être 1000 ou 100 000, mais pour être 100 millions, parce qu'il faut que ce soit partout sur Terre. Ce serait bien que ce soit partout sur Terre, parce que si c'est simplement un pays comme, je sais pas, la Libye, où il va se faire écrabouiller par l'OTAN, quoi, hein, donc il faut que ce soit plusieurs pays pour qu'on soit pas écrabouillable. Mais excusez-moi, mais tout seul, j'ai du mal à trouver toutes les idées nécessaires pour rendre l'idée contagieuse. Et j'ai besoin qu'on soit tous. La question, c'est pas que l'idée soit contagieuse. Merci. Quand est-ce que vous avez fait votre dernier atelier constituant ? Est-ce que c'était hier ou est-ce que c'était il y a un mois ? Mais si vous le faites pas tous les jours, je vous le dis affectueusement, hein, mais c'est votre faute. Moi, je fais des ateliers constituants tout le temps. J'arrête pas d'écrire des articles. Et quand je viens dans le train, avec mon voisin, j'écris un article. Il savait pas ce que c'était que la Constitution. Et pas de pouille, tombait à côté de Chouard. Dans l'avion, c'est pareil. J'ai une voisine à gauche, une à droite. Elle se met à bavarder. De quoi vous parlez ? Vous faites des conférences, hein, c'est intéressant. Et au bout d'un quart d'heure, on est en train d'écrire les règles du vote blanc sur une publicité d'Air France. Alors, il y a un ciel bleu, donc on a un coin où on peut écrire. Et on écrit l'article de Constitution sur une revue. Donc, les ateliers constituants, c'est tout le temps, en fait, hein. Mais ça dépend de nous. C'est à vous de vous y coller. Si vous attendez que Chouard sauve le truc... C'était pas le sens de ma question. Même si elle était peut-être un peu directe et frontale, je vous prenais pas parti personnellement. Vous dites, après un moment, ça prend plus. Ben voilà, c'est que l'idée était pas non, bonne, non, non. Ça a pas pris, je m'y suis pris comme un manche, et puis... C'est pas ce que je veux dire, je suis désolé, je me suis mal exprimé. Je suis très conscient qu'on doit tous s'y mettre, c'est une question citoyenne et de responsabilité individuelle et collective, ouais. Donc il n'y a pas de souci avec ça. La question, c'est quelle est, une fois qu'on va avoir diffusé ce message-là, une fois qu'on est 100 millions, comment on combat le système actuel ? C'est ça ma question. Non, Alexis, c'est votre idée là-dessus. Alexis, mon idée là-dessus, c'est que si on est 100 millions à vouloir quelque chose, on l'aura. Voilà. Et si on ne l'a pas, c'est juste qu'on n'est pas 100 millions à vouloir quelque chose. On est 100 millions à être pas d'accord, à chacun vouloir des trucs différents. On n'est pas foutu de trouver une cause commune. Or, nous avons une cause commune. De l'extrême gauche à l'extrême droite, et à l'extrême abstentionniste, les êtres humains, peut-être même les animaux d'ailleurs, les êtres humains ont une cause commune. Nous sommes affligés depuis la nuit des temps, et à mon avis, ce n'est pas du tout une fatalité, c'est juste parce qu'on ne s'en est jamais occupé, parce qu'on s'en fout, mais nous sommes affligés d'une impuissance politique parce que nous ne nous préoccupons pas du texte qui institue cette impuissance. Dans la Constitution suisse, alors non, je ne veux pas prendre la Suisse parce que c'est la moins pire, mais dans la Constitution française, il n'y a pas de place pour le peuple. Le peuple est absent. Alors c'est compliqué à voir, parce qu'une absence, ça ne se voit pas. Enfin, il faut vraiment le lire. Il faut prendre l'article 3 de la Constitution française, par exemple, dans lequel il est écrit, c'est très court, la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce. Tout ça est génial, par ses représentants. Foutu. Voilà. Donc c'est simple, c'est de l'art. Là, à ce niveau d'escroquerie, ça devient de l'art, quoi. Je veux dire, il faut vraiment avoir fait des études supérieures pour être capable d'écrire un article qui donne l'impression... pour faire plaisir à l'électeur, pour qu'il dise oui à cette Constitution, alors qu'en fait, c'est son impuissance qui est écrite dans la Constitution. Parce que quand on dit « la souveraineté appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants »,
On devrait dire, si on parlait franc, on dirait la souveraineté n'appartient pas au peuple, mais à ses représentants. C'est ça qu'on devrait dire. Bon, ben, notre problème à tous, partout sur Terre, parce que ça, c'est comme ça dans toutes les constitutions, un peu moins dans la constitution suisse, mais pas mal quand même, hein, parce que quand vous élisez des députés, c'est eux qui vont voter les lois à votre place, hein, et vous n'allez pouvoir résister avec des référendums ou avec des initiatives que sur les cas les plus graves, mais tous les micro-enfumages des représentants de tous les jours, vous n'y coupez pas, hein, comme tout le monde, hein, je pense. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la prise de conscience que c'est de notre faute va tout changer. Parce que du jour où on va concentrer, polariser nos volontés, qui pour l'instant ne sont pas polarisées, elles sont dans tous les sens, c'est ça qui fait notre faiblesse. Le jour où on va arriver à polariser nos volontés en disant on va conserver nos combats écologiques, nos combats sur ce à quoi on tient, mais on va intégrer là-dedans le fait que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire la règle du pouvoir. C'est à nous d'écrire la Constitution. On ne veut pas élire l'Assemblée constituante. Si on est des millions, des milliards à dire on ne veut pas élire l'Assemblée constituante, on veut l'écrire nous ou bien que ce soit n'importe qui. Mais surtout pas, il ne faut pas que ce soit les hommes au pouvoir qui écrivent la règle du pouvoir. Le jour où on va se polariser là-dessus, il va se passer un truc et le fait que ce n'est pas moi qui... Le fait que je ne suis pas capable de vous dire... quel événement va changer et à quelle date? Oui, je ne suis pas capable de vous dire, je ne suis pas devin, moi. Non, mais le fait que je ne sois pas capable de vous dire ne fait pas la preuve que ça ne va pas se passer. Et le fait que ce soit trop lent n'est pas complètement ma responsabilité. Je suis conscient que les prises de conscience, justement, sont longues à prendre. Et la question, c'est une fois qu'elle est réelle et qu'elle est là, votre réponse, c'est qu'il faut juste diffuser le message jusqu'à ce qu'on soit assez nombreux. La police ne tirera pas sur... Quand on va descendre des millions dans la rue en disant « on veut écrire nous-mêmes la Constitution », la police ne tirera pas sur des millions de personnes. Elle tire sur des milliers de personnes, mais quand dans les millions de personnes, il y a les parents, les grands-parents, les cousins, les nièces des policiers en question, ils ne tirent pas. Au passage, j'attire votre attention sur le fait qu'une crapulerie supplémentaire du capitalisme qui consiste à faire des armées surnationales, comme la Genfor, la police européenne, où des Allemands vont être chargés d'aller tirer sur les Italiens, où des Espagnols vont être chargés d'aller tirer sur des Allemands... ils savent très bien que la police ne tire pas sur le peuple en révolte. Une petite partie du peuple, oui, parce qu'on leur prend le chou, on les désinforme pour leur faire croire que c'est un danger pour la sécurité. Donc là, ils tirent sur des petites... Nos manifestations, ils nous tirent dessus. Mais une manifestation monstre, ils ne nous tirent pas dessus. Alors comme ils savent ça, ils sont en train de mettre en place des armées composées d'étrangers. Et les étrangers, ils sont encore plus automates, encore plus mercenaires, quoi, et capables de tirer sur le peuple. Mais bon, en tout cas, si on est des millions, ils peuvent mettre des mercenaires en face si tout le monde descend dans la rue. On aura le changement parce qu'on est nombreux. Mais il faut s'en occuper concrètement, petitement. Il faut s'en occuper petitement. Tout ce qui est grand a commencé par être petit. Et le plus long chemin commence par un pas. Et donc, il faut que vous fassiez chacun ce pas, quoi. Il faut faire les ateliers constituants, ce soir, demain. Est-ce qu'on a des exemples de ça dans l'histoire ? Est-ce qu'il y a 100 millions de gens qui sont levés ? Mais c'est pas parce que ça s'est jamais passé que ça se passera jamais. Il y a des tas de choses qui se sont passées pour la première fois. Enfin, alors que quand un enfant refuse d'obéir, toute sa vie, il a obéi. 100% de son passé, c'est de l'obéissance à ses parents. 100%. Il a toujours obéi. Donc, pas d'exemple de désobéissance. Mais il y a un moment, il devient adolescent, ça lui pète, il veut être libre. Eh bien, il se barre. Eh bien, c'est ça, l'humanité, elle en est peut-être là. Et ce n'est pas parce que ça ne s'est jamais passé que ça ne se passera jamais. Aux Philippines, ils se sont... Ouais, c'est bon. Okay. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci, Alexis, de ces questions. Merci à vous tous. Voilà, j'aimerais remercier Mireille Zaki et puis Étienne Chouard pour cette conférence et ce débat riche. J'aimerais aussi remercier le collectif USF Prod qui s'est occupé de toute la partie technique, la Fonderie Kugler qui nous a accueillis ici avec Stéphanie Prizreni. Et puis, alors justement, on peut les applaudir. Merci. Merci à tout le monde. Merci infiniment. Pensez à mettre des sous dans le chapeau pour aider les organisateurs. Oui. Justement, il n'y a pas longtemps, j'étais en Islande et j'ai récupéré ce chapeau de forme à un banquier qui est tombé. Donc ça, pour financer et couvrir en fait surtout les frais de cette conférence, on va faire passer le chapeau. Merci de mettre un petit quelque chose. Merci beaucoup encore. Le bar, j'ai tout fait. Le bar.
le bar est ouvert avec des boissons et des choses à manger.